30 000, qui offre 30 000, 20 000, voyez-vous. Allons-y, mettez vos enchères. On va y revenir à 20 000 euros, la fille de Street Cry, pleine de quilles d'argent, elle a gagné 3 courses. À 20 000 euros, 20 000, 10 000 pour débuter. Allons-y, 10 000 euros, 10 000 euros qui offre 10 000 pour débuter. Mettez vos enchères, 10 000 euros. Il faut débuter, 10 000, 10 000, oui, 10 000 à droite, l'enchère à 10 000. Nicolas, à 10 000 euros, à 10 000 euros qui couvre l'enchère de 10 000. À 10 000 euros l'enchère, à 10 000 euros qui couvre l'enchère de 10 000. À 10 000 euros, à 10 000 euros la jument pleine de quilles d'argent à 10 000. À 10 000 euros, l'enchère est sur la droite, à 10 000. À 12, 12, 12, 12 000, 12 000, Nicolas, plus vous. À 15, 15, 15, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000 qui couvre l'enchère de 15 000. À 15 000 euros, à 15 000 euros, la jument pleine de quilles d'argent, à 15 000. Oui, 18 000, 18 000, 18 000, 18 000, à 18 000. Beaucoup de black type dans le pédigré. À 18 000 pour la jument pleine de quilles d'argent, à 18 000. À 18 000 euros, à 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000 à droite, l'enchère. À 20 000 euros, à 20 000 euros qui couvre l'enchère de 20 000. À 20 000 euros, plus vous, Guillaume. À 20 000 euros, à 20 000 euros qui couvre 22 000 au restaurant. À 22 000, à 22 000, à 22 000, 25, 25 000, 25 000, 28 000. 28 000, c'est Guillaume. À 28 000, à 28 000, à 28 000 qui couvre l'enchère de 28 000. À 28 000 euros l'enchère. À 30, 30 000, 32, 35, 35 Guillaume. 35 000, 35 000, 40, 40 000, 40 000. À 5, 5, 45 000, 45 000 Guillaume toujours. À 45 000, à 45 000 à gauche l'enchère. À 45 000 euros l'enchère, à 45 000 qui est 50, 50 000 Nicolas, 50 000, à 50 000 à droite, 5, 5, 5, 55, 60, 60 000 toujours Guillaume, à 60 000, 60 000, 60 000 contre vous Nicolas, à 60 000 et pas au restaurant, à 60 000, à 60 000, gagnante de 3 courses, demi-sœur d'une gagnante de groupe, beaucoup de black tag, pleine de quilles d'argent, 5, 65 000, 65 000, plus 10, 10, 10, 10, 80, 80 000, 80 000 Guillaume, à 80 000, 80 000, 80 000, 80 000, 80 000, plus là, à 80 000 contre vous Nicolas, à 80 000, à 80 000 qui couvre l'enchère de 80 000, à 80 000, à 80 000 euros nous sommes, à 90 000, 90 000, 100 000, 100 000 Guillaume, 100 000, pas là-haut, à 100 000, 100 000 à gauche l'enchère, à 100 000, à 100 000, à 100 000, à 100 000, et pas vous, Nicolas, de 10, 10, 10, 110 000, à 110 000, Guillaume Lanchère, à 110 000, à 110 000, à 110 000, pas là-haut, hein. Oui, 120, 120 000, 120 000, 130, 130 000, 130 000, Guillaume toujours, à 130 000, 130 000, 130 000, plus vous, Aurélie, à 130 000, à 130 000, la jument pleine de quilles d'argent, à 130 000, à 130 000, à 130 000, la sœur d'Entia, gagnante de groupe, à 130 000, elle-même gagnante de 3 courses, à 130 000 euros l'enchère, à 130 000, pas de regret là-haut, à 130 000, à 100, 135, 140, essayez 150, à 140 000, vous la perdez, à 140 000, essayez 150, à 140 000, vous allez la perdre, 150, Guillaume, toujours, à 150 000, 150 000, à 150 000, à 150 000 euros, à 150 000 euros l'enchère par Guillaume, à 150 000. Et on va juger à 150 000 euros la jument pleine de quilles d'argent, à 150 000, c'est bien vu là-haut, fini. À 150 000 euros, pas de regret, à 150 000, on peut adjuger, on adjuge. 150 000, Guillaume. Le numéro 96 est présenté par le haras de Saint-Père, Amo Amiyama, femelle baie de 3 ans en Irlande, assimilée élevée en France. Elle est par Monsoon et Amorama. Et à noter qu'elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Superbe souche maternelle, celle de Trion, Triptyque et aussi de Trèves. Une mère gagnante de 2 groupes 1 et c'est une fille de Monson. Et elle est toute jeune et elle est gagnante. Combien offre-t-on ? 100 000 ? 50 ? 50 000 pour débuter, voulez-vous ? Voulez-vous 50 000 pour débuter? 50 000, la fille de Monson, 50 000, 50 000, à 50 000 euros. On va y revenir, 50 000, 30 000, voulez-vous? 30 000 euros, oui, 30 000, Guillaume Lanchère à 30 000, à 30 000 euros, à 30 000, qui couvre l'enchère de 30 000, pour la fille de Monson à 30 000, à 30 000 euros, à 30 000 euros nous sommes, à 30 000, à 30 000 euros, à 30 000 euros, qui couvre l'enchère de 30 000, pour la fille de Monson à 30 000, 35 000, 35 000 contre vous, Guillaume, 35 000, 35 000, c'est Aurélie. À 35 000 euros, qui couvre l'enchère de 35 000, pour la ville de Monson, à 35 000, à 35 000 euros, à 35 000 euros, la famille de Trillon, de Triptyque et de Trèves, 40, 40 000. Alors, allez, allez, je suis revenu à l'antenne, évidemment, si vous m'entendez. Le lot 95, le lot précédent, a été racheté à 150 000 euros. Et le 100...
le 170 000 euros, le lot 94, le Six Stars et Alex Rhodes, l'excellente Alex Rhodes, a été acheté par Jimmy Rayton, de Channel Consignment. Et on passe désormais à une Monson, une fille de Monson âgée de 2-3 ans, présentée par Laura de Saint-Père. Sa mère avait gagné un groupe 1, tout simplement, les Delmarox, et un autre groupe 1, John C. Mabiandicap, pardon. Camorama, c'est une poulinière au Haras de Saint-Père désormais. Et sachez qu'elle a un yearling par Galileo. Et le 2 ans, la 2 ans plutôt, est à l'entraînement chez François Rohaud, le Mongeux. Le numéro 97 est présenté par le Haras du Petit Ailier. Anna, la famille de Table Ronde aussi. Par American Post et Anna-Marie, cette jument est pleine de Mason. Cette jument, elle est gagnante de liste dress, deuxième du prix du Calvados, un groupe de 2 ans, troisième du Saint-Alary. La mère est gagnante de groupe 2 et de groupe 3 et deuxième de groupe 1. Famille vivante, celle de Morandi est pleine de Mason. Que l'offre-t-on ? On débute à 30 000, voulez-vous ? 30 000 qui offre 30 000 pour débuter. 30 000, très beau pédigré. 20 000, voulez-vous 20 000 qui offre 20 000 pour débuter. 20 000, 10 000 euros. 10 000 euros, faut débuter, allons-y. Oui, 10 000, dans le resto, 15 000, plus le restaurant, à 15 000, 20 000, qui court en jeu de 20 000, à 25 000, 30 000, elles ont 35 000, elles ont encore changé. C'est Alexandra qui est en face, 40 000, 45 000, 50 000, 60 000, c'est Aurélie, à 60 000, qui court en jeu de 70 000, Alexandra, à 70 000, 80 000, par vous Aurélie, à 90 000, c'est Bernard, à 90 000, enchère sur la droite, à 90 000, et pas vous Alexandra non plus, à 90 000, 100 000 ici, 100 000 Guillaume, à 100 000, qui congèle de 100 000, à 100 000 euros, l'enchère sur 110 000, pas là, à 110 000, qui congèle de 110 000, à 110 000 euros, à 110 000 euros, la chute, oui, 120 000, oui. Alors 130 000, puis là l'enchère à 130 000, pas vous Bernard, à 140 000, qui est-ce à 140 000 Nicolas, à 140 000, plus vous Guillaume, à 140 000, 150 000, plus à droite l'enchère, à 160 000 contre vous Guillaume, 170 000 contre vous Nicolas et Guillaume. À 170 000, 180 voulez-vous ? À 180, alors attendez, 180 Aurélie, 200 voulez-vous ? À 180 000 Aurélie, 200 000, plus vous Aurélie, à 200 000 c'est Nicolas, à 200 000 et pas vous Guillaume non plus, à 200 000. C'est Belmont Bluestock donc qui a acheté le lot précédent, 96 000 euros. 220 000 contre vous Nicolas, 230 à droite. Et on est à 230 000. Pour Anna Americana, on en parlait tout à l'heure déjà de cette famille-là. Présentée par le Haras du Petit Ailier. Elle est pleine de Mason. Mason, c'est un gagnant de groupe 1 de la Jewel High Cup. Plus dans le passage, 250. Est-ce un fils de Invincible Spirit? Le premier produit d'Anna Americana est à l'entraînement en France chez Alex Fraca. C'est plus un mâle, comme indiqué sur le catalogue par Cinda, bien hongre. La 7 groupe 1, 260. Retour d'Estelle à 260 000, 280. On met 300. 280 000, c'est Aurélie. Voulez-vous essayer 300? À 280 000, vous la perdez. À 280 000, oui, 300. 300, c'est Bernard. 300 000, plus en face, l'enchère. À 300 000, 20, voulez-vous ? À 300 000, pas vous. À 300 000, l'enchère est sur la droite.
10. Voulez-vous 310? À 300 000 l'enchère sur la droite. Pas vous non plus, Estelle. À 300 000. 10. On a plusieurs personnes au téléphone autour du ring. À 300 000 l'enchère. Non. On a Nicolas Vatrugan et Anthony Straud. Pas de regret, on va juger. À 300 000 euros. Pas de regret, Estelle. Pas de regret là. À 300 Mais il me semble que l'enchère est ailleurs. Bernard, votre enchère. Et dans le couloir. Le numéro 98 est présenté par l'entraînement Patrice Lenog. Wingland, une femelle baie de 3 ans, par Lando et Angel Wing. A noter que cette pouliche est vendue sans TVA. This filly is sold without VAT. Elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Et ajoutons que sa demi-sœur Angelic News a 2 places en 2 sorties. Elle a 3 ans, elle est gagnante. Elle est la demi-sœur de North King, gagnante 4 courses contre le Conseil de Paris Groupe 2. Famille également de Loxon, gagnant de l'abbaye de Longchamp. Combien offre-t-on? On débute à 10 000, voulez-vous 10 000, 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros pour la 10 000 euros pour la poulet de 3 ans, gagnante de la famille de Loxon, 10 000, 10 000 euros, voulez-vous 10 000, 10 000, qui offre 10 000 pour débuter, allons-y, mettez vos enchères, 10 000 euros, 5 000, voulez-vous, 5 000, 5 000, qui offre 5 000, 5 000, 6 000, 6 000, 6 000, plus vous Alexandra, à 6 000 euros l'enchère, à 6 000, à 6 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, plus à droite l'enchère, à 8 000, 8 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, plus en face, à 10 000 euros, à 10 000 euros l'enchère, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, plus vous Alexandra, à 10 000, à 10 000, à 10 000, l'enchère est sur la droite, à 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros, qui court en jeu de 10 000, à 10 000 euros, plus en face, à 10 000 euros, qui court en jeu de 10 000, à 10 000 euros l'enchère, à 10 000 euros, c'est bien vu, à 10 000, à 10 000 euros l'enchère est sur la droite, gagnant. Donc c'est des Japonais qui ont acheté Anna Americana à 300 000 euros. Et les Leouch, l'entraîneur d'Ecto. Une sœur de North King qui est à 10 000 euros seulement pour Wingland. Et on va voir un petit vidéo désormais. Le numéro 99 est présenté par Coulon's Consignment, Singing Bird. Most improved comes up the winner by a street, one of by five. Most improved from Dragon of Torin, they hit the one for nine, Paris Hall of Fun. Thermabel with a final flourish, but Most Improved will hold them at bay and wins the St. James's Palace. Oui, 30 000 à droite, l'enchère à 30 000, à 30 000 euros, à 30 000 euros, qui court en jeu de 30 000, à 30 000 nous sommes, à 30 000, 32, 32, 32, 32 000, 35, 35 000, 35 000, 40, voulez-vous, à 35 000, à 35 000, qui court en jeu de 35 000, 40, 40 000, 40 000, à 40 000, 5, 5, 45 000, 45 000, 45 000, à 45 000, à 45 000, c'est une deux. À 45 000, 50, 50 000, 50 000, 50 000, 55 Alexandra, 55 000, 60, 60 000 Ludovic, à 60 000, à 65, 65 000, 70 000, 70 000, 70 000, 75 000, 75 000, 80 000, 80 000, 80 000, à 80 000, 80 000, plus beau Ludo, 90, 90, 90 000, 100 000, 110 000 à droite, à 110 000, à 110 000, 120, 120 000, 120 000, 120 000, Ludovic, à 120 000, à 120 000, qui court en jeu de 120 000, à 120 000 euros, à 130, 130 000, 130 000, 130 000, qui court en jeu de 130 000, 140, 140, 140 000, à 140 000, gagnante, placée de groupe, pleine de l'Oman, 150, 150 000, 150 000, 150 000, qui court en jeu de 150 000, 160, 160 000, 180, 180 000, 200 000, voulez-vous? À 180 000, 180 000, plus vous Ludovic, 200, à 180 000, à 180 000, 200, 200 000, 200 000, 200 000, qui court. Alors ça marche très très fort hein, pour toute l'équipe de Coulon's Consignment cette année. On rappelle qu'ils ont vendu le top price en août, 1,7 million pour la fille Hazan de Dubaoui. À 200 000 euros, à 200 000, oui, 220, 220 000, 220 000 pièces. Alexandre, c'est Julie. À 220 000, à 220 000, qui court en jeu de 220 000, plus vous, Ludovic. À 220 000, à 220 000 contre vous. À 220 000, qui court en jeu de 220 000. Donc pour 220 000, pour exemple, pour une fille d'excellente art. L'enchère, pas d'erreur. Elle avait été achetée 80 000 euros. 220 000 euros yearling par Orse France. À 220 000 euros, fini Ludovic, c'est sûr. À 220 000, pas de regret nulle part. À 220 000. Compte tenu victoire en Irlande. La deuxième de groupe 3.
également, et a été essayée pour la première fois en 2013, et elle a été testée pleine de l'Oman. Dernier service du 17 février, c'est très très tôt. Vraisemblablement pleine pour la au premier saut directement. Par ce bide de 5000 seulement, mettez 230 à 225000, vous la perdez. 230000. 230000. Non, fini à 230000 et on va juger à 230000 euros. Pas de regret, non. À 230000, on peut être jugé. On est jugé. 230000, Julie. Le numéro 100 est absent. Nous passons au numéro 101, présenté par Aga Khan Studs, Ashalina, jument grise par Lina Mix et Ashaninka. Cette jument est pleine de So You Think. Une fille de Lina Mix, un très bon père de mère donc. Et elle a la propre sœur d'une gagnante de groupe 2, Ashalanda. Propre sœur d'une pouliche donc tout à fait remarquable qui avait fait sensation dans le Malrais. Et le premier produit d'Ashalanda par Sindar s'est passé trois fois pour ses trois sorties à 2 ans. Pleine de So You Think, je le rappelle, gagnant de 10 groupes 1. Combien offre-t-on? 50, 30, 30 000. Qui offre 30 000 pour débuter? Allons-y, mettez vos enchères. La fille de Linamix, propre sœur. Une sœur d'Ashalanda, désormais, qui nous est présenté par les Aga Khan Studs de l'O101. Une fille dynamique, c'est excellent, père de mère. Père de mère de Decto, Most Improved. Dont on a vu et on va revoir la vidéo. D'ailleurs, la vidéo est toujours disponible. On l'a vu il y a quelques secondes, Most Improved. Le frère d'Ecto. Ou Ecto, le frère de Most Improved. Elle est pleine de So You Think. Le dernier service du 19 mai. Pour l'instant, on n'a pas produit grand-chose, cette Ashalina. Et compte 3 victoires, cette Ashalina. Premier produit n'a pas couru, c'est une fille de Royal Applause. Le deuxième produit va passer en vente, le lot 686. Le 3 ans, l'actuel 3 ans, est un fils de Cinder à l'entraînement en France, chez Jean-Claude Rouget. À 25 000 euros, à 25 000 euros, la propre sœur d'Ashalanda va avoir 27 000 par l'Inanix, pleine de Soyuz, 30 000. Ashalanda qui avait servi de leader, souvenez-vous, pour Shamakia dans le prix de Malray, qui était monté par Freddy Diffed, cette Ashalanda, et qui avait, aux surprises, gagné cette course. 35 000, plus Bouludo, à 35 000. Devant sa compagne de Kazakh, c'était Shamakia. Par la suite, elle a confirmé que c'était pas seulement une surprise, cette victoire du Malray, puisqu'elle avait également gagné les Pride Stakes, un groupe 2. C'est ce groupe qui a été renommé Pride Stakes, en l'honneur à la formidable championne Pride, évidemment, mais qui désormais s'appelle les Champions Mares Stakes, il me semble. Champions of Phillies and Mares Stakes. C'est un groupe 1 désormais, le jour des Champions Day. Orlando et Atlantic Blue, pleine de Mount Nelson. C'est la propre sœur d'Atlando, gagnante groupe 2, et la demi-sœur d'Incanto Dream, également gagnante groupe 2, le primoriste de Nieuil, est placé de groupe 1. Beaucoup de black tag donc dans cette famille pour cette jument pleine de Mount Nelson, jeune jument. Combien offre-t-on? 30, 20, 20 000 pour débuter. 20 000, voulez-vous? 20 000, 20 000, 20 000. La jument pleine de Mount Nelson. 20 000, 10 000, 10 000, 10 000. Qui offre 10 000? Alors, tout à l'heure, je vous disais, Anna Americana. 10 000 euros. À 10 000 euros, qui offre 10 000. Elle a été achetée par des Japonais. Et quel Japonais? Puisque c'est l'un des plus grands. Il y a... Ah oui, on me signale dans l'oreille qu'il y a des personnes qui l'ont regardent de Hong Kong. Bah, bonjour les Français de Hong Kong. Tout d'abord, et puis on va pas parler de Hong Kong, désolé pour vous, mais on va plutôt parler du Japon, puisque donc ce sont des Japonais qui ont acheté Anna Americana. Et quel Japonais, je disais, puisque c'est l'un des plus grands propriétaires éleveurs au Japon, vous l'aurez reconnu, c'est Katsumi Yoshida, donc, qui a acheté pour 300 000 euros Anna Americana. À 12 000 euros, la jument
12 000. À 12 000 euros l'enchère. À 12 000 euros qui peut être 15 000, Julie. À 15 000, 18 000, Aurélie. 20 000, 22 000. À 22 000 contre vous, Julie. À 22 000, 25 000. À 25 000, 30 000, Aurélie. 30 000, plus vous, Julie. À 30 000, Aurélie l'enchère. À 30 000 euros l'enchère sur la droite. À 30 000 par Aurélie. À 30 000 euros, qui coupe en chez le 30 000. À 30 000, la Julie. Une Poulinière désormais présentée par le Haras de la Louvière. Pleine de Mount Nelson, c'est la première poulinière pleine de Mount Nelson qui passe sur le ring. Un jeune étalon, Mount Nelson est entré au Haras en 2009, c'est bien ça, 2009, oui. C'est le père de Puro Long, gagnant du Cavalos. Et c'est une demi-sœur d'Atlando, cette jument plutôt, elle est née en 2007. À l'Haras de groupe 2, Atlando. Également le père de Dinkanto Dream. Excellent Dinkanto Dream qui était à l'entraînement chez Carlos Lerner, fils de Galileo, qui avait gagné Maurice Denieuil. Qui s'était placé deuxième du cadran. C'est la famille de Mambia également. Parce que Mambia, comme Meral Goa, une sœur de cette jument sur le ring. Mambia, elle avait gagné le brillamment à 2 ans le prix du Cavalos. Le numéro 103 est présenté par le Haras de Saint-Père, Otima, une femelle grise de. Une jeune poulinière, hein, cette Atlanta, donc achetée et adjugée 42 000 euros. Elle était à l'entraînement chez Pascal Barry. Son premier produit, un fils de Théophilo, s'est vendu 62 000 euros. Yearling est acheté par Chris Pan-Moubray. Son foal, d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, plutôt demain, puisque ce sera le lot 387. Premier offreton, 20 000 qui offre 20 000 pour débuter, 20 000, voulez-vous 20 000, 10 000 qui offre 10 000. 10 000 euros qui offre 10 000 pour débuter, allons-y, mettez vos enchères. 10 000 euros qui offre 10 000, à 10 000 euros, 5 000, attendez, c'est qui? C'est à droite l'enchère à 5 000 euros qui coule enchère de 5 000. À 5 000 euros qui coule enchère de 6 000, puis dans le passage. 8 000, Bernard, 8 000, Alexandra contre vous. À 8 000 euros qui coule enchère de 8 000. À 8 000 euros qui coule enchère de 8 000. À 8 000, 10, plus vous Bernard, à 10 000. À 12 000, Alexandra contre vous. À 12 000 euros qui coule enchère de 12 000. À 12 000 euros l'enchère est sur la droite, à 12 000, 15 000 Aurélie, à 15 000, plus vous Bernard, à 15 000 euros qui coûte de 15 000, à 15 000 euros l'enchère, c'est bien vu, à 15 000, oui ou non, 17, on met 20, à 17 000 l'enchère est dans le passage, à 17 000, tard Bernard, l'enchère à 17 000, on va la juger. Voulez-vous 20 ? À 17 000, vous la perdez. À 17 000, voulez-vous 20 000, plus vous Bernard, à 20 000. Il est parti, à 20 000 euros, qui couvre en chez de 20 000. L'enchère est là et on va la juger. À 20 000 euros, c'est bien vu, pas regret, non. Un juge. 20 000, Aurélie. Le numéro 104 est présenté par le Haras de Saint-Père, un poulain bay né en Irlande le 28 avril, assimilable au nez élevé en France. Il est par Manduro et Atima. A noter que ce poulain marche dans le box occasionnellement. This foal is an occasional box walker. Et ajoutons que sa demi-sœur, la 3 ans Otima, est gagnante depuis l'apparition. Donc la 3 ans gagnante, sa mère est gagnante de deux groupes 2. Un fils de Manduro, la mère par Zaphonique. Combien offre-t-on ? 10 000, voulez-vous 10 000. Qui offre 10 000 pour débuter ? 10 000, le fils de Manduro, à 10 000 euros. À 10 000 euros, qui offre 10 000 pour débuter ? Allons-y ! 10 000, 5 000, voulez-vous ? 5 000, allons-y ! 5 000, le fils de Manduro, la mère par Zaphonique. La mère est gagnante de deux groupes 2. À 5 000 euros l'enchère. À 5 000, qui offre 5 000. 5 000, allons-y, mettez vos enchères. 5 000 à droite, l'enchère à 5 000. À 5 000 euros, qui couvre l'enchère de 5 000. À 5 000 euros, votre enchère, Bernard, à 5 000. À 5 000 euros, le fils de Manduro, à 5 000. À 5 000 euros, vous laissez partir à 5 000, le fils de Manduro, la mère par Zaphonique, à 5 000 euros seulement.
à 5 000 euros. On va la juger. 6 000, 8 000, Alexandra, 8 000, plus à droite, à 8 000, ni l'un ni l'autre, à droite, à 8 000, l'enchère par Alexandra, à 8 000 euros, qui couvanche à 8 000 euros, qui couvanche à 8 000 euros, l'enchère par Alexandra, à 8 000 euros seulement l'enchère, on va la juger. À 8 000 euros, c'est bien vu, pas regret, non. 8 000 euros pour le frère du lot précédent, donc à juger. Alexandra, bien à droite, bien vu. 5 000. Dernière fois, à 8 000 euros. Le numéro 105 est absent. Nous passons au numéro 106, présenté par Deessa de Milagro. Un poulain bai né en Irlande le 25 mars par Dream Ahead et Ballybaka Lady. Dream Ahead, ici les premiers foals. Dream Ahead, la mère gagnante de groupe, premier produit, une mère gagnante de groupe. First foal about the group winner. À combien de butons, Dream Ahead, la famille de Garogori et de Stormbird. À combien de butons, 5 000. On a eu un petit souci technique, dirons-nous, parce que le foal a refusé de rentrer sur le ring. Il s'est mis à côté et un peu affolé l'assistante, hein, il faut le dire. Dream Ahead, premier produit, mère gagnante de groupe ici. Justement, il est bien rentré sur le foal. Ce fougueux fils de Dream Ahead, dont les premiers produits sont foal. Dream Ahead, il était talent à Ballyhinstead et a commencé sa carrière des talents là-bas déjà. Dreamhead, c'est The Cheval qui a battu Goldie Cowa dans le prix de la forêt, et je vous dis ça avec une rage, puisqu'on voulait tous évidemment que Goldie Cowa triomphe dans ce prix de la forêt. C'était sa dernière course en France, cette édition du prix de la forêt. Donc le père Dreamhead et la mère Ballybaka Lady. À 16 000 euros, 18 000 euros, mettez 20. À 18 000 euros, mettez 20, on va dire. À 18 000 euros, à 18 000 euros. Premier produit du maire gagnant de groupe ici, à 18 000 par Dream Ahead. À 18 000 euros, à 20 000 euros, 20,000 euros, à 20 000 euros, c'est Roy, il est bien en chair, c'est plus beau, Guillaume. Et Ballim, Baka Lady, donc, comme je vous disais, les filles du Rick and Run. Et rentrer dans le giron des poulinières de DSA des Milagro. L'an dernier, c'était en décembre 2012, elle a été achetée 180 000 guinées. Cette fille du Rick and Run, gagnante de groupe 3, elle avait gagné les 1000 Guinness Trials sur les polomes de l'Epastown. Pourquoi sur les polomes de l'Epastown? Puisque c'était cette course qui était sponsorisée par Darren Stinson, le haras irlandais. De chez Camden. À 30 000 euros, l'enchère par Aurélie en face. À 30 000 euros, against you, sir. À 30 000 euros, shoot your one more. À 30 000 euros, l'enchère en face. À 30 000 euros, c'est fini. You quite sure? 32, my bid now. À 30 000 euros, c'est contre vous, Aurélie. 33 000, against you, sir. À 33 000 euros, l'enchère par Aurélie. À 33 000 euros, Dream Ahead, first round, the group winner. À 33 000 euros, last time. À 33 000 euros, living. 35 000, fresh bidder à 35 000. 34 si vous voulez, à 34 000 euros. À 34 000 euros, l'enchère à 35 000, déjà plus vous à 35 000. À 35 000 euros, à 35 000 maintenant. À 35 000 euros, c'est contre vous, monsieur, à droite. À 35 000 euros, faites-moi signe.
36 000 euros bien sûr. À 36 000 euros, c'est contre vous, Aurélie. À 36 000 euros, premier produit du merveilleux de groupe ici à 36 000. À 36 000 euros, Dreamer. À 36 000 euros. À 36 000 euros, l'enchaîne par Nicolas. À 36 000. À 36 000 euros, c'est fini, Aurélie, c'est sûr. On va juger. À 36 000 euros, 36,000 bits. Gone sale, this time, hold on. À 36 000 euros. 37 000, à 37 000, réessayez monsieur, à 37 000 euros, vous l'aviez presque, à 37 000 euros, à 37 000 euros, demandez-lui Nicolas, à 37 000 euros, l'enchaîne, on passe, 37,000 bits, gone sell, this time, hold on, à 37 000 euros, on la juge. Monsieur Anthony Strauss, 37 000 euros, Aurélie, merci. Le numéro 107 est présenté par le haras d'Etrehan, Nuit d'amour, une femelle baie de 3 ans par Azamour et Bagnou Dewi. 37 000 euros du coup. Une sortie supplémentaire, son demi-frère Bagnou, une victoire et une place en 2 sorties à 2 ans. Et cette pouliche, ajoutons-le, est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Nuit d'amour ici, super. Gervais, votre partenaire santé. Gagnant de 2 courses à 2. Et oui, vous l'avez connu, c'est lui-même, c'est chez Hervé. Donc c'est Hervé qui nous a parlé, qui vous a parlé. Actuellement, allez, on va se le remettre. Gervais, votre partenaire santé. Par Dylan Thomas, 2 ans et gagnant. Gervais, votre partenaire santé. Ah ouais, on peut pas s'en passer de ce commentaire. Donc Gervais, votre partenaire santé sur France Cire, évidemment, vous invite tous les jours à dîner, à déjeuner, comme vous voulez. Mieux à dîner, puisque c'est le soir, c'est encore plus convivial qu'à midi, puisque les soirées sont tellement longues chez Hervé. Et donc, bon, pour rien vous cacher, je suis en train de manger un sandwich, donc c'est pour ça que je pense énormément à bien manger. Vous m'avez compris. Nuit d'amour. Nuit d'amour. C'est le nom de cette pouliche. Fille d'Azamour. Bagnou Dewi. Bagnou Dewi, gagnante de l'Istad en Allemagne, à Baden-Baden précisément, deuxième du Winterkönigin également, quatrième du Critérium de Saint-Cloud. Et la mère de chevaux qu'on connaît mieux, tel Brigantin, tel Noble Winner. Brigantin, lui, il avait gagné 2 et groupe 3. Il avait gagné le Swiss Derby également. Et Noble Winner, un fils de Grand Slam, est entraîné par Jean-Marie Béguigné, si je ne m'abuse. Il s'était passé 2e du prix de Guiche, 4e du François Batté, entre autres. C'est contre vous à gauche, against you. 180 000. Alors, Bagnou Dewi, elle a un mâle de Dylan Thomas qui est né en 2011, qui avait été acheté 80 000 euros à l'amiable par Alain Descrions pour Monsieur Cyrul. Et pour l'entraînement de Monsieur aussi, compte une victoire et en une course à Salon de Provence depuis l'apparition du catalogue, important de le signaler. Et la yearling de Bagnou Dewi, une fille d'Ifrache, s'est vendue 220 000 euros cet été ici même, acheté par David Redverse. Et cette année, elle a eu Bagnou Dewi, elle a eu une femelle de Turtle Ball. Super poulie, je suis course ici à 240. Alors pourquoi ce prix-là? Pour l'instant, Nuit d'amour. Tout simplement puisque elle est très bien née, comme je vous disais tout à l'heure. Alors j'ai pas parlé du père. Le père, c'est Azamour. Présent plus fils de Night Shift. Gagnant plusieurs groupes 1, Azamour. Fait la monte en Irlande. Ouais, avec Ansoz, évidemment. Je vous entends plus, Nicolas. Et cette Nuit d'amour était très très bonne en compétition. Était deuxième du prix de Bagatelle et troisième du prix Charles Lafitte. 270 000 euros. Que dit le second, Aurélie? Deuxième également, pardon. Vous étiez deux. Charles Lafitte. Alors sachez-le que Yearling, elle a été achetée 135 000 euros. 120 000 euros l'enchère et pas Aurélie en face. Et fini à droite. À 280 000 euros, c'est sûr. Était à l'entraînement, bien sûr, chez Pia Brandt. Comme précisé sur le catalogue. 280 000 euros, l'enchaîné par Aurélie. Et c'est fini. À 280 000 euros, on va juger. À 280 000 euros, on va. Dernière fois, à 280 000 euros, on adjuge. 280 000 euros, Aurélie. Le numéro 108 est présenté par le haras des Capucines. Un poulain alsan né le 20 février par Ifrage et Tadawul. Ifrage, fils d'Ifrage ici, frère de Black Tie, frère de 5 vainqueurs, c'est la famille de Salai bien sûr, gagnant de l'Istad, placé de groupe cette année, la souche
de Rosia Bay, Siada, IBNB, Tabreed également, placé de Nicolas de Vatrigan, on voit sous la casquette, il signe bon. Mandor International Agency. Ou peut-être, aussi, Al-Shaka Bracing. À combien de buts-on ? 20 000, 20 000, 10 000, 10 000, 10 000 pour les buts de Trébat. La société de Cheikh Johan Al-Thani. À 10 000 euros, Ifrage. Très solide de Ifrage. Ifrage, frère de Black Type, c'est un fall. À 25 000 euros, 30 000, c'est Dominique qui tient. La merde à Daoul. À 30 000 euros, rien en face à 30 000. Eh ben, elle va passer tout à l'heure en vente. Ce sera le lot 109. À 35 000 euros, un fils d'Ifrage ici à 35 000. À 35 000 euros. Tape sur le Kimi. C'est plus vous, Dominique, à 35 000. À 35 000 euros, Ifrage, frère de Black Type, à 35 000. À 35 000 euros. À 35 000 euros, c'est Julie qui tient un chat à 35 000. À 35 000 euros, c'est fini, Dominique, c'est sûr. À 35 000 euros. À 35 000 euros, 35 times the bid à 35 000 euros. L'enchère est en face par Julie, son of Ifrage, à 35 000 euros, frère de Black Type, à 35 000 euros, pas d'erreur, vous laissez partir, à 35 000 euros, dernière fois, à 35 000 euros, pas de regret, à 35 000, on a le juge, 35 000, Julie. Le numéro 109 est présenté par le Hara des Capucines. Tadawul, jument Ben et aux USA par Daisys et Barakat. Cette jument est pleine de My Boy Charlie. A noter que cette jument tique à l'appui. This mare is a crib biter. Tadawul, fille de Daisys ici, elle est gagnante. Elle a déjà produit 5 vainqueurs dans Absolute Limit, bien sûr. Placée de listed, elle est pleine de My Boy Charlie. On reconnaît Monsieur Charlie, qui était sur la droite de l'écran, par My Boy avec Juliette. C'est le même croisement, la famille d'IBNB. Il y aura après Colette à redécouvrir sur le frontière, évidemment. 50 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000,
pour les acheteurs de ces polices sterling. C'est la sœur de Lila Strong, une fille de Kalanisi, placée de Listed, à deux reprises en Italie. Et c'est surtout une nièce de Rainbow Quest, cette pouliche, qui est sous vos yeux actuellement. Rainbow Quest, formidable vainqueur du prix de l'Arc de Triomphe. Troisième du prix du Jockey Club. Troisième de Darshan et de Sadler's Wells. Il a également gagné la Coronation Cup. Great Voltigeur. Il était deuxième des Dewar Stakes. C'était pas qu'un 3 ans de distance classique. C'est également un cheval vite. Parce que les Dewar Stakes se courent sur 1400 mètres à Newmarket. À 120 000 euros, c'est par vous qu'on doit vous juger à 120 000. Plus loin, on retrouve les étalons, qui sont plus tard devenus des étalons, tel Warning, qui a gagné les Sussex Stakes, et Commander in Chief également. On l'a dit, essayez 30, Guillaume. 130 000, 130 now, should try 5 more, 135 000, mon enchère. J'avais déjà 135, Guillaume. 140 000, 140 now, à 140 000 euros, à 140 000 euros, Gans User, à 140 000 euros, l'enchère est là, à 140 000 euros, 145, arrondi, c'est Guillaume, à 145 000 euros, c'est contre vous, à 145 000 euros, ici, la gagnante de Listed, la famille de Rainbow Quest. Il y a du monde hein, autour de ce ring. Hein. C'est plus vous, on a de plus en plus. À 145 000 euros. Bah, pour l'instant, on a un top à 400 000 euros. 145 000 euros. Acheté donc par Belmont Bloodstock, c'était Mont Blue le 51. À 145 000 euros. Le deuxième top press. On la juge. 145 000 euros. 145 000. Non, c'est pas vrai. Le numéro c'est le 90. Yakan Studs, Bazira, une femelle bête. C'était Zibeling. Azamour et Bekara. Belle de Fast and Rock. A noter que son demi-frère BS s'est classé deuxième du prix Farsal à Saint-Cloud pour ses débuts. Et cette pouliche est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Très belle casquette là au centre. Et nous vendons ici une fille de Bekara. C'est bien sûr la fille de Bekaba, grand gagnant du Grand Prix de Paris, la sœur de Bechtam également, et de BS, 2-year-old BS, by Cedar Stars. It's very good second. Une grande pouliche là. It's very highly regarded. The 2-year-old is very promising. La famille de Bera, la championne Bera, a combien de buts ici pub. 2 ans. Pour Rajzaman, qui va paraître. À 50 000 euros. Parfait, ça, Rajzaman, c'est l'occasion de parler de Linamix. C'est l'occasion de parler d'Aga Gangsters, qui nous présente ce 111, donc une fille d'Azamo. Un grand Gaston également. À 30 000 euros, l'enchère est par Julie, à 30 000, à 30 000 euros, à 30 000, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, à 40 000 euros, à 40 000 euros, c'est Julie, à 40 000, 50 000, à 50 000, à 50 000 euros, t'es en face, 50 000, à 50 000 euros, 60 000, à 60 000 euros, à 60 000 euros, l'enchère, tout est par vous, contre vous, Julie, à 60 000, à 60 000 euros, c'est contre vous, Nicolas, à 60 000 euros, à 60 000 euros, la sœur de Bekaba, d'ici la famille de Béra, à 70 000, 70 000, 70 000, 70 000, à 70 000, à 70 000 euros, à 70 000 euros, à 70 000 euros, the 2-year-old is Azamour, Bekara. À 70 000 euros. À 70 000 euros. Les parents de cette Bassira, elle n'a pas couru cette Bassira. C'est une fille de Bekara, donc, qui annonce du Chotenay, et une sœur de, vous l'aurez compris, Bekaba, le lauréat du Grand Prix de Paris, du prix Niel également. À 2 ans, il avait gagné le prix des chaînes. Et était talon au Japon désormais. 73 si vous voulez, à 113 000 euros, à 113 000 euros, à 175 déjà plus vous, à 75 000. C'est également la mère de Bechtam. À 80, nouvelle enchère, il sera 80 000. Bechtam, lui, il a été exporté à Hong Kong. Il avait gagné le prix de Lavre. À 80 000 euros, ici la sœur de Bekabad, la sœur de BS, à 80 000 euros, à 80 000 euros, l'enchère est par vous, à gauche, et c'est fini. Et Bekara, sachez-le que depuis l'apparition du catalogue, il faudra peut-être que j'arrête de dire sachez-le, non, vous trouvez pas hein. À gauche, merci. Et bah Behecht, le 2 ans de Bekara. Par l'entraînement Nicolas, sachez-le. Non, je l'ai pas dit. Utrera, une femelle. Un fils de Cisa Star, Behecht. En France, elle est partie. Un entraînement en France chez Alain Droit Dupré. Et il compte une place. C'est deuxième. Dans un Maiden à elle est vendue sans depuis l'apparition du catalogue. Une place en une sortie. Without VAT. Et ajoutons qu'elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Ah, on a un petit problème.
C'était pas une enchère ? C'était pas une enchère du tout. C'est là on voit Aliette Forien et Gilles Forien qui disent non, pas du tout. On revient. 70 000, c'était tout. Sur le lot précédent, Nicolas, vous êtes... Oh, he's a good horse, all right. Oh, Camelot at Leisure. Oh, a very smart horse indeed. Camelot is just ahead from French 15. Camelot wins! The first father-son trainer-jockey combination to win the Derby. Philly is in training, elle est vendue sans TVA, she is sold without VAT, et elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Elle est gagnante, Philly. On vient ici à Deauville après avoir vu des belles images de Camelot. Un nouvel étalon, fils de mon jeu, du regretté mon jeu. Un nouvel étalon à Coolmore dès 2014. Et entre-temps, sachez que le lot 111, il y a eu folle enchère sur ce 111. Et 80 000 euros, on croyait que c'était Aliette et Gilles Florian. Demoiselle qui a les bons de sortie, signé les bons de sortie, s'était dirigé vers le couple Forien et finalement c'était pas eu du tout, c'est même pas mis d'enchère. Donc on a repris l'enchère à 75 000 et finalement elle a été adjugée, roulement de tambour, à 75 000 euros. À 8 000 euros, c'est Nicolas qui dit enchère à 8 000. À 8 000 euros, la sœur de Cartaya ici à 8 000. À 8 000 euros, la famille de Charastani ici à 8 000. À 8 000 euros, dernière fois. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette 112. 112, pardon. Elle est présentée par Nicolas Clément. 9 000, très bien. Elle a été élevée par Darpa de France. À 9 000 euros, mettez 10. Et elle appartient au Gestüt Burg Eberstein. L'enchère par Julie à 9 000 euros, pas d'erreur, à 9 000 euros. Alors, elle est passée deux fois en... Le numéro 113 est présenté par The Castle Bridge Consignment Limited, Best in Show, une jument grise née en Allemagne, par Big Shuffle et Bergwelt. Cette pouliche est vendue avec un certificat. Sa sœur, pardon, est passée deux fois en vente, Cartaya. Fille de Big Shuffle. Gagnante de l'Istad, même de groupe 3 même. Et on va d'abord parler de cette Utrera. Pourquoi je vais vous parler de cette Utrera? Figurez-vous qu'un jour, mon chef de cabinet me demande. Non, c'est pas vrai du tout. Figurez-vous qu'elle fut achetée 10 000 euros le 13-10-2012. A réclamé donc 10 000 euros. Très bien. Sauf que cette pouliche a été achetée par Gestüt Burg Eberstein, 10 000 euros. Donc Gestüt Stuttgart Eberstein, donc les propriétaires de Den Dream, les anciens propriétaires de Den Dream, Heiko Wolfs, entre autres, qu'elle a été achetée 10 000 euros. Le 12-10-2012, allez, je vais y revenir. En fait, pourquoi j'insiste bien sur cette date du 13-10-2012, c'est le jour exact où Cartaya, sa demi-sœur, a gagné groupe 3 en Italie. Ce n'est pas une enchère. Et Cartaya, figurez-vous, elle a été achetée deux fois réclamée. Vous aviez dit voilà, c'est ça l'histoire. Elle a été achetée deux fois réclamée. Une première fois, 16 222 euros par Christophe Lotou. Et une deuxième fois, 15 222 euros par le Gestüt Burg Eberstein. Et entre-temps, elle avait gagné trois courses pour Christophe Lotou quand même. À 11 000 euros, elle est placée de liste. Et puis, du coup, après, Cartaya avait gagné groupe 3 en Italie. Encore une belle histoire vécue par le Gestüt Burg Eberstein. Donc les anciens propriétaires de Den Dream, Heiko Wolfs entre autres, il a le nez fin, franchement c'est un formidable dénicheur de talent. À 13 000 euros, mettez 15 Nicolas, à 13 000 euros vous l'aviez presque à 13 000. N'empêche que Utrera donc s'est vendu 9 000 euros. Dernière fois à 13 000, à 13 000 euros. Sans doute racheté à ce prix-là, le Singspiel du coup.
On adjuge. Le 113, 13 000 euros. Retard, 13 000 euros. Ah, il y a une enchère, mais le marteau était le numéro 114 tombé. Appartient à Vertemer et Frères. Indique. Oh, a very smart horse indeed. Camelot is just ahead from French 15. Camelot wins! The first father-son trainer-jockey combination to win the Derby. À 25 000 euros, l'enchère est à droite à 25 000. À 25 000 euros, c'est contre vous, Julien, à 25 000. À 25 000, à 25 000, à 25 000, à 25 000. À 25 000 euros, à 25 000 euros, à 25 000 euros, à 30 000. À 30 000 euros, à 30 000. À 30 000, à 30 000. À 30 000, à 30 000. À 30 000 euros, à 30 000 euros, t'es à gauche à 30 000. À 30 000 euros, c'est contre vous, Nicolas, à 35 000. 35 000, 35 000, 35 000, 35 000. À 35 000 euros, 40 000. 40 000, 40 000. À 40 000, à 40 000. Camelot, encore une fois, donc on l'a revu. Elles sont très, 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 très brouillées, ces pages du catalogue, franchement. Aucune tenue. À 45 000 euros, c'est Nicolas qui est en charge à 50 000. 50 000. 50 000, 50 000, 50 000, à 50 000 euros. À 50 Indigo 000 euros, désormais. À 50 000, à 50 000, à 50 000 euros. Qui appartient aux frères Vertemer. À 55 000, à 55 000 euros. À 55 000 euros, maintenant c'est Nicolas qui vient en charge. Qui l'ont acheté Yearling à 30 000 euros. C'est une fille de Falco et de Blanche. Blanche qui était entraînée par Jacques Rossi. Qui avait gagné le prix de moterie, entre autres. 60 000 euros, mon enchère. 60 000 euros. 60 000 et cet Indigo. C'est Julie. 60 000 euros. Eh ben, on la voit gagner le prix La Sorina ici même. 60 000 euros, l'enchère par Nicolas. Enfin, ici même, pas une course qui se dispute à Deauville, mais là, ici même, c'est-à-dire sur les écrans, puisque. À 70 000 euros, c'est contre vous, Nicolas. À 70 000 euros, elle gagne. Sur les écrans, ici, Arcana. On voit les courses références d'Yves Renaud. Plus vous, Nicolas. Des pouliches sortant d'entraînement. 70 000 euros, l'enchère en face. Et rien par vous, Nicolas. À 70 000 euros, on va juger. Indigo, gagnant de l'Istead. À 70 000 euros, pas d'erreur. À 70 000, on adjuge. 70 000, Julie. Le numéro 115 est absent. Nous passons au numéro 116, présenté par le haras de Bourgeauville, Scarlet Pride, jument alezan brûlé par Singspiel et Brisk Waters. Et cette jument est pleine de Rip Van Winkle. Fille de Singspiel ici, la famille de Walkiliri, bien sûr, la famille de V2, grand gagnant du prix du bois cette année. Elle est placée de l'Istead, mère de vainqueur. Et elle est pleine de Rip Van Winkle. Fille de Singspiel désormais, qui a 10 ans, est présentée par le haras de Bourgeauville. La famille de Véleu, 50 000, 50 000, 50 000. À 50 000 euros, qui ont l'enchère. Pas les éleveurs, le haras de Bourgeauville, puisqu'elle a été élevée au cadran, au haras du cadran, chez Pierre Talvar. À 20 000 euros, qui ont l'enchère à 20 000. À 20 000 euros, 20 000 euros. À 20 000 Scarlet Pride, le nom de cette plénière. Elle a l'air assez en âge, hein, puisqu'elle a l'air mouillée. Plutôt, elle était mouillée. À 12 000 euros. Et bon, ça craint de sécher, là. 12 000 euros. À 12 000 euros, elle est pleine de Rip Van Winkle ici. Et c'est une tente de V2. Une grande souche ici à 12 000. À 12 000. V2, le très bon fils d'Elusive Siki cette année, et qui a gagné un groupe. À 12 000 euros, elle est pleine de Rip Van Winkle. À 12 000 euros. Qui a gagné le prix du bois, un groupe 3. Il y a un autre très bon fils d'Elusive Siki qui a gagné groupe 2 pour la Kazakh Agakan. Kim Rani, me semble. À 12 000 euros, vous la laissez partir. Son nom. 12 000 euros, oui, bien sûr. Sous la deuxième mère, plutôt, on retrouve une très grande origine, Mirkos. À 14 000 euros. Bernando, Johan Quatz. Pleine de Rip Van Winkle. À 14 000 euros. À 14 000 euros. On retrouve Natural Spirit également. À 16 000 euros. À 10 000 euros. Et l'entraînement de Dominique se pue. On trouve également Tayaku et Albara. À 20 000 euros, rien à gauche à 20 000. À 20 000 euros, à 20 000 euros, elle est placée de l'Istead ici à 20 000 euros. Petite jument, cette Singspiel. Fini Estelle, à 20 000 euros, fini Guillaume. Elle s'était placée deuxième de l'Istead en Allemagne. Dernière fois. À 20 000 euros, compte deux victoires en France. À 20 000 euros. Une à Fontainebleau et l'autre à Maison Lafitte. Euros, elle compte également, chose plus rare, une victoire au Canada.
Une femelle baie née. Et sachez que son premier produit. Avril, assimilable. Sachez que son premier produit, donc sac à Boréal. Buffalo Berry. Et bah, va passer tout à l'heure au 193 demain. Fille de Lope de Vega ici, sœur de deux Black Type. Sœur de Black Type, la mère est gagnante de groupe, la sœur bien sûr de Chata Ochi War, gagnante de groupe, placée de groupe 1, placée des Secretary Stage, Group 1, la famille de Golden Arrow, Arcomel Button, 20 000, qui débute à 20 000, à 20 000 euros, 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 10 000, 10 000 à 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000, 10 000 euros, à 10 000, à 10 000 euros pour le très bas à 10 000, à 10 000 euros, la sœur de deux Black Type à 10 000, à 10 000 euros, Lopez de Vega, à 10 000 euros, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000, à 10 000 euros, qui veulent l'enchaîner à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000, à 10 000 euros, qui veulent l'enchaîner à 10 000, à 10 000 euros, 10 000 euros, 5 000, 5 000, 5 000, à 5 000 euros, Lopez de Vega, sœur de deux Black Type à 5 000, à 5 000 euros, à 5 000 euros, qui veulent l'enchaîner à 5 000, à 5 000 euros, 5 000, 5 000 euros, 5 000, à 5 000 euros, sœur de deux Black Type, c'est à 5 000, à 5 000 euros, à 5 000 euros, bien sûr, c'est prêt à 5 000, 5 000 euros, 5 000, 5 000 euros, 5 000, à 5 000 euros, c'est Estelle qui était en charge à 5 000, à 5 000 euros, à 5 000 euros, à 5 000 euros, Lope de Vega, ici la mère gagnante de groupe et sœur de deux Black Type à 5 000 euros, à 5 000 euros, à 5 000 euros, bien sûr, vous êtes deux à 8 000, à 8 000 euros, à 8 000, 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 à 8 000 euros, Kelly Second, Estelle à 8 000, à 8 000 euros, à 8 000 euros, Lope de Vega, sœur de deux Black Type ici à 8 000, à 8 000 euros, à 8 000 euros, Kelly Second, à 8 000 euros seulement, pour cette fille de Lope de Vega présentée par l'écurie. Des Monceaux. Déjà à 8 000 euros, on va juger à 8 000 euros. L'op élevé par SF Bootstock. À 8 000 euros, mère gagnant de groupe, à 8 000 euros, pas d'erreur. La mère est une strip écran, une strip pécan plutôt. Gagnant de groupe 3, double gagnante de l'Eston et troisième des Phoenix Stakes. Elle a produit Chacha Ochiwa. C'est fini, à 10 000 euros, c'est Julie en face. Vous entendez comme je le prononce bien, Chacha Ochiwa. Vous la laissez partir à 10 000 euros. Gagnant de deux groupes 3 et troisième également des Secretary Stakes. Le numéro 118 est présenté par le haras du lieu des champs, Fearless Flyer, jument baie brun née en Irlande, par Brave Act et Canary Bird. À noter que cette jument tique à l'appui, This mare is a crib biter, et donc cette jument est pleine de Nathaniel. Ah non, vendue. Elle est gagnante de groupe, she's a group winner, and she's the dame of Creus, group winner as well, second the Craven, and she's in fall to Nathaniel. Bien sûr, pleine de Nathaniel, champion Nathaniel, et c'est la mère de Crius. La mère de Crius, désormais. Ah, combien de buts-on ? Crius, qui fut gagnant de groupe 3, et qui fut le tout premier gagnant de groupe d'Héliostatic. Héliostatic, qui fait la monte au Harley Bros. À 20 000 euros, qui veut l'enchaîner à 20 000, à 20 000 euros, à 20 000 euros, vers le gagnant de groupe, c'est à 20 000, à 20 000 euros, bien sûr, ça peut l'enchaîner à 20 000, à 20 000, à 20 000 euros, à 20 000, à 20 000 euros, à 20 000, à 20 000 euros, c'est Aurélie qui tient l'enchaîner à 20 000, à 20 000 euros, à 20 000 euros, à 20 000 euros, qui veut l'enchaîner à 20 000. À voir et à revoir, bien sûr, sur Francir. Héliostatique. Et she's the dame of a group winner. À 20 000, à 20 000 euros. Et elle est pleine de Nathaniel. Lucas de Page, à 20 000 euros, 22 000, bien sûr, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, à 22 000 euros, à 22 000 euros, les gagnantes de groupe, à 22 000, 25 000, bien sûr. Nathaniel, c'était sa première année de monte cette année. À 30 000, à 30 000, à 30 000. Parce qu'il est rentré au Hara en 2013. À 35 000, à 35 000, à New Sales. 35 000, 35 000, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, 50 000, 50 000, à 50 000, à 50 000 euros, c'est Aurélie, à 50 000 euros, 55 000, et vous êtes deux, à 55 000 euros, à 55 000 euros, elle est pleine de Nathaniel, 60 000, à 60 000, à 60 000 euros, à 60 000 euros, l'enchaîne par Estelle, à 60 000, à 60 000 euros, 60,000 bid now, à 60 000 euros, à 60 000 euros, she's a group winner, and she's a group producer, she's a group winning producer as well, à 60 000 euros, in pool to Nathaniel, à 60 000, à 60 000 euros, à 60 000 euros, c'est Estelle, à 60 group winner, exactement, oui. 62, 62 now, à 62 000 euros. Parce qu'elle avait gagné, elle avait gagné le groupe 3. À 62 000 euros, à 62 000 euros, elle est pleine de Nathaniel, 65 000 euros, bien sûr, à 65 000, à 65 000 euros, elle est gagnante de groupe, à 65 000, à 65 000 euros, la mère le crie ici, à 65 000, à 65 000 euros, c'est contre vous, Aurélie, vous étiez deux, à 65 000 euros, on peut essayer deux, monsieur, 67, 67, 67, à 67 now, à 67 000 euros, à 67 000 euros, l'enchère est en face, c'est contre vous, Estelle, à 65 000 euros, demandez-lui, à 67 000 euros, l'enchère est par Aurélie, en face, la mère le crie 70 000, 70 000 bid now, à 70 000 euros, 70 000 euros,
1000 bid now against you, sir. Should we try one more? À 70 000 euros, c'est contre vous. À 110 000 euros, c'est contre vous. Laissez partir 110 000. À 110 000 euros, 72, 72, 72 now. À 72 000 euros, l'enchère en passe. À 72,000 bid against you. À 72 000 euros, l'enchère est already en passe. 75 000, 75. À 75 000 euros. À 75 000 euros, que fait-on, Aurélie? À 75 000 euros, il est parti. À 75 000 euros, l'enchère à gauche par Estelle est finie en face. À 75 000 euros, on va juger. À 75 000 euros, on adjuge. 75 000 euros, Estelle. Le numéro 119 est présenté par le haras de la Reboursière et de Montaigu. Un poulain alezan né le 5 mars par Exin en Excel et Caprarola. Exin en Excel ici, une mère gagnante, donc c'est le demi-frère de Rudyard. Rudyard donc encore placé depuis l'apparition du catalogue. Fils de Exin en Excel, la mère Parahi, la famille de Grazia, de Holding, Dance Machine. Et on débute à combien ici pour ce fils de Exin en Excel? Voulez-vous 10 000 euros, il était preneur à 10 000, allons-y, 10 000 euros, 10 000 euros. À 10 000 euros pour démarrer, voulez-vous 10 000, il était preneur à 10 000, 10 000 euros, il faut démarrer à 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros, les premiers produits, le père de Hex Celebration, voulez-vous 10 000, 10 000 euros, Guillaume, merci de votre enchère à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, c'est votre enchère, Guillaume, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, j'ai une seule enchère, la mère est gagnante, celle de mes frères de vainqueur à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, qui prend le relais, qui commence à de 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros pour le fils de Hex, c'est dans Excel, voulez-vous 10 000, 10 000 euros, j'ai une seule enchère à 10 000, à 10 000 euros, mettez l'enchère à 10 000 euros, vous laissez pas surprendre par le marteau à 10 000, à 10 000 euros, tout de même une fédération de 12, 12, 12, 12, 11, 11 et 11 000, 11 000, 11,000 now. 11,000 now, 11 000, 12 000, 12 000 euros, Guillaume, 12, 13, à 13, with 13, 13, Guillaume, c'est contre vous, à 13 000, 15 000, à 15 000 euros, 16, à 15 000 euros, c'est Guillaume Blanchard, mettez 16, vous devez 16, à 15 000, à 15 000 euros, c'est 17 000, 17 000 euros, Guillaume Blanchard, à 17 000, à 17 000, à 18 000, 18 000, 18 000, 18 000, 18 000, again, ce Guillaume, à 18 000, à 18 000 euros, Blanchard est en face, à 18 000 euros, 20 000, à 20, 20 now, à 20, with 22, à 20, with 22, vous êtes à 22, vous devez 22, à 20,000 now, Guillaume, votre enchère. À 20 000 euros, l'enchère est à Guillaume à gauche. À 20 000 euros, ici encore 22 000. À 22 000 euros, maintenant l'enchère à 22 000. À 22 000, à 22 000 euros, Guillaume, c'est contre vous à 22 000. À 22 000, à 22 000 euros, ici encore Guillaume, c'est contre vous à 25 000. À 25 000 euros, 25. À 25, à 25 000 euros, l'enchère est à gauche à 25 000. À 25 000, à 25 000 euros pour le fils de Hexin en Excel à 25 000. 26. Yes, sir. No. 26. Yes or no. 26, 26 now, à 26 now, 1000 now, à 26 1000 now, c'est à droite Aurélie, votre enchère, 28, 30 000, à 30 000 Aurélie, 30 000, 30 000 euros l'enchère là, à 30 000 euros, c'est au téléphone Aurélie, à 30 000 euros l'enchère est là, à droite à 30 000 euros contre vous Guillaume, à 30 000 euros, 32 000, à 32 000, 32 000, 32 000, 32 000, 32 000, à 32 000 euros, 35, 35, 35 000, 35 000, à 35 000 euros, à 35 000 euros, c'était, à 35 000 euros, c'était, à 37, 37 000 Aurélie, par vous, contre vous, 37 000, à 37 000 euros, c'est Aurélie qui tient l'enchère à 37 000 euros, 40 000, à 40 000 euros l'enchère, à 40 000, à 40 000, à 42 000, 42 000, 42 000, à 42 000 euros l'enchère est à droite, à 42 000 euros, Guillaume s'est contrôlé à 42 000, à 42 000 euros, ils sont encore 45, à 45 000 euros l'enchère, à 45 000 euros, 50 000, hein? À 45 000 euros l'enchère, oui, à 45 000 euros, 7, 47, à 47 000, 47 000 euros l'enchère est à droite, à 47 000, à 40, 50 000, 50 000 euros maintenant l'enchère, à 50 000 euros, doué, 50 000 euros, c'est Guillaume l'enchère. À 50 000 euros, doué. À 50 000 euros l'enchère. Tutto facto. À 50 000 euros l'enchère est à gauche, à 50 000. À 50 000 euros, bien sûr. Hex Celebration. Hex in excel, c'est Guillaume. 2, 2, 52, 52 000. À 52 000 euros, Guillaume, vous êtes battu. À 55. 5, 55 000. À 55 000 euros l'enchère. À 55 000 euros, c'est encore. À 55 000 euros, mettez. À 55 000 euros, mettez 57. À 55 000 euros l'enchère est à gauche. À 57. 57 000, à 57 000, à 57 000 euros, Guillaume, vous êtes battu. À 57 000 euros, essayez encore, Guillaume, c'est fini. 60, 60 000 euros, à 60 000 euros, l'enchère, à 60 000 euros, à 60 000 euros, m'excusez. À 60 000 euros, l'enchère est là, à 60 000 euros, bien vu, à 60 000 euros. 62, 62, à 62 000, à 62 000 euros, l'enchère, Guillaume, c'est contre vous. À 62 000 euros, Guillaume, je vais devoir la juger. À 62 000 euros, merci de votre aide, Guillaume. À 62 000 euros, fini, dernière fois, à 62 000 euros, bien vu, fini, 63, 63 000, 63 000, 63 000, à 63 000 euros, Guillaume Blanchet, à 63 000, à 63 000 euros, 64, 4, 63 000 euros. À 63 000 euros, l'enchère est là, à Guillaume l'enchère. Excel en Excel, sorry sir. À 64, Guillaume, 64 000 euros, c'est plus vous. À 64 000 euros, à 64 000 euros, je vais l'adjuger, Guillaume. À 64 000 euros, bien vu, fini, Guillaume. Un dernier moment de réflexion, par la prima, par la seconde, à 64, 5.
Guillaume, vous jouez avec le feu. 65 000 euros à gauche, l'enchère, c'est contrevu, 65 000. À 65 000 euros, bien vu, c'est fini. À 65 000 euros, essayez, messieurs. À 65 000 euros, bien vu, l'enchère est à gauche, contrevu. À 65 000 euros, c'est Guillaume qui tient l'enchère. Bien vu, fini. À 65 000 euros. Oui? Non? À 65 000 euros. Voilà le juge. Guillaume, votre enchère. Merci. La première des wildcards est le lot 120, présenté par le haras du Kenney. Il s'agit de Elsheim, une femelle de 3 ans née en Grande-Bretagne, par Samu Mel Danzing. Notez qu'elle est vendue sans TVA. This filly is sold without VAT et avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Wildcard numéro 120, ici donc Elsheim. Excellente jument de course, racing prospect as well, elle peut courir bien sûr, elle peut courir, cette jument placée de liste de cette année, issue d'un très très grand pédigré, cette petite fille de Monsoon, la sœur de Hell Shadow, de Hell Commodine, de Hell Galata, lovely, lovely, lovely page, lovely pédigré, excellente pouliche, très belle, peut courir, prospect Bonne Mère as well. À combien débute-t-on ici pour cette magnifique pouliche très bien née? 100 000 euros. 100 000 euros, y a-t-il preneur à 100 000 euros. 100 000 euros. À 100 000 euros, y a-t-il preneur à 100 000 euros, mettez dans le cher à 100 000. 100 000. À 100 000 euros, y a-t-il preneur à 100 000, mettez dans le cher, y a-t-il preneur à 100 000. 100 000 euros. 100 000 euros pour démarrer, voulez-vous 100 000. 50 000 alors. 50 000. 50 000 euros, y a-t-il preneur. Oui, 50 000 euros à droite, c'est pris l'enchère à 50 000. À 50,000 à 50 000. 60 000. 60 000 euros maintenant, Guillaume, à 60 000. À 60 000 euros. À 60 000 euros, l'enchère 80. À 80 000 euros contre vous, Guillaume, à 80. À 80 000. À 80 000 euros, mettez-vous l'enchère, Guillaume, à 80. 100 000. À 100 000. Donc, 119 a été adjugé 65 000 euros. Il a été présenté par le haras de la Robancière Montaigu. À droite à 120 000. À 120 000 euros, come on! À 120 000 euros, mettez-vous. C'est un fils d'Exciné d'Excel qui est né cette année, le 5 mars. Il a été élevé par Cyril Humphreys, comme Alling d'ailleurs. D'ailleurs, on retrouve Alling sous la troisième mère. À 200 000 euros, c'est Guillaume Lanchère. Champion Alling. 220. Champion étalon également. Et on va passer à la première wildcard, le 120, présenté par le rat du Kenney. À 240 000 euros, comment, sir? À 240 000 euros, c'est contre vous. C'est El Samé, une fille de Samoum. Gagnante de l'Istud à Hanovre, plutôt seconde, ouais, on s'enflamme toujours, hein. Seconde de l'Istud. Et elle est surtout magnifiquement bien née. À 240 000 euros, qui prend le relais? À 240 000 euros. Ça m'ouvre le père de... 250 000 euros maintenant, Ludovic. Pardon, qui est un fils de Monson. À 250 000 euros. Et la mère n'est autre que la championne Elle Danzig, double gagnante du Premier Roma, un groupe 1. Et mère d'El Shadow, gagnante de groupe 3, les Belmondo Price, et également gagnante du Rachid Sheikh Good Nidoff Cup. Enfin, je pense à ne plus prononcer tous les noms absolument. À 290 000 euros, je vous laisse faire. La mère d'El Comodine également. Un grand qui fait étalon cette année au haras de Saint-Arnaud. À 300 000 euros, malheureusement, il ne sera plus étalon l'an prochain. À 300 000 euros, mettez 300 000. Mais on a d'autres étalons au haras de Saint-Arnaud. C'est Cockney Rebel, entre autres. Très bonne recrue du haras de Saint-Arnaud que vous pouvez voir sur Francière. Cockney Rebel d'ailleurs. Tout comme Simplex également. Et comme l'autre nouvelle recrue de Rat Saint-Arnaud, c'est Captain Marvelous. Pas de regret ailleurs, Guillaume. À 300 000 euros, c'est votre enchère. À 300 000 euros, plus rien dans la salle. À gauche, par vous, Guillaume, je vais l'adjuger. Hervé Morin fait son apparition. Tour du ring. On adjuge. Guillaume, merci beaucoup. Votre enchère, monsieur, 300 000 euros, Guillaume. Le numéro 121 est présenté par le haras du Sauboisse à Camp, une femelle bête de 2 ans par Sky Mesa et Card Shop. Le mari d'Odette Faux, là, actuellement, côté de Georges Rimaud. Sky Mesa. J'imagine que Odette Faux doit être présente également, puisque plus tard dans la vente, plutôt ce soir. De groupe 3 à 2 ans, donc, est placé, et la famille de Putney Bridge, The Hacklam Vision, Sky Mesa. C'est Charles-Henri de Moussac.
Love les Pellegrés. Qui a acheté. À combien ici, donc, pour cette fille de Sky Mesa. C'est Charles-Henri Moussac, donc, qui a acheté, sans doute, pour le rat du Mézeray. 10 000 euros, il y a des preneurs à 10 000, ensuite, 10 000, vous devez 10 000, 10 000, 5 000, 5 000. À 5 000 euros, il faut démarrer à 5 000, il y a des preneurs à 5 000, 5 000 euros. À 5 000 euros, mettez-vous dans le cher à 5 000, 5 000 euros. Allons-y, 5 000, 3 000, 2, oui, 3, 3. Je 3, vous parlais d'origine, très belles origines. On a une autre très, très belle origine ici. C'est Feel Like Dancing, un fils de Galiléo, l'un des rares fils du maître Galiléo, champion du monde des étalons. À 5000 euros ici, c'est la monte à Coolmorstead. Et Feel Like Dancing fera la monte l'an prochain au Haras du Lion. À 5000 euros. À 5000 euros ici encore. À 5000. C'est un gagnant de groupe 3 à Newmarket. À 5000. 6000. 6000 euros. Un placé de groupe également. Placé de Leading Light dans un groupe 3. Le futur lauréat du. Ah 8000 euros Bernard, votre enchère à 8000. Du Saint-Léger de Doncaster. À 8000 Leading Light. À 8000. À 8000 euros. À 8000 euros l'enchère. Et c'est un frère d'une gagnante de groupe 1. Elle avait gagné les. Sa sœur, elle avait gagné les Chiefs, les Parcs. À 12 000 euros, Bernard, à droite, l'enchère contre. Et sa mère est surtout une fille de. À 12 000 euros, c'est Bernard qui tient l'incroyable Darshan. 12 000 euros, fini. Très bien, et pour ce Feel Like Dancing. Si Aurélie, vous la perdez. À 12 000, 13 000. À 13 000 euros, maintenant, il est là. À 13 000, à 13 000. À 13 000 euros, Nicolas. 14, Bernard. 14 000 euros, Bernard Lanchère. À 14 000, à 14 000. À 14 000 euros, contre vous, monsieur. À 14 000 euros, mettez 15. Demandez-lui, voulez-vous 15. À 14 000 euros, 15 000. Non, je vais l'adjuger. Donc c'était la première wildcard qu'on a eue le 120. Tout à l'heure, on aura une autre wildcard. L'autre origine allemande, ce sera le 130 présenté par le Dombreville. Monsieur, non, à 14 000 euros, c'est Bernard. Pas de regret, pas d'erreur. On adjuge. Bernard, votre enchère, 14 000. Le numéro 122 est présenté par DSA de Milagro, Sleeping Storm, jument Ben et en Irlande, par Daniel Dancer et Caribbean Escape. Cette jument est pleine de Kodiak. Elle est pleine de Kodiak et c'est la mère de Sushi Tuna. Sushi Tuna, donc gagnante à 2 ans, notamment du Critérium du Languedoc à Toulouse. Sushi Tuna, Black Type, donc elle a produit un Black Type, elle a un bon pédigré ici, la famille de Fit So Fast. C'est la demi-sœur de Knavashmir. Kodiak qui réussit très bien, très bon père de vainqueur, très bon père de 2 ans, notamment en Angleterre donc. Une fille de Dan Hill Dancer et la mère est par Pivotal. Excellent pédigré, bon croisement ici. Elle est gagnante, elle a produit un Black Tap et c'est Kodiak. Et on démarre à combien? 50 000, 30 000, 20 000, 20 000, 20 000. Allons-y, 20 000 euros, mettez en chair à 20 000, 20 000. À 20 000 euros de jument avec du cadre ici. 10 000, 10,000, voulez-vous 10, voulez-vous 10, 10 000, mettez-vous en chair à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, mettez-vous en chair à la plaine de Kodiak à 10 000, à 10 000 euros, Dominique à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, c'est pris en chair à 10 000, à 10 000 euros, l'enchère est là à droite à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, mettez-vous en chair à 10 000, 15 000, à 15 000 euros, restaurant à 15 000, à 15 000, à 15 000 euros, restaurant, l'enchère à 15 000, à 15 000, à 15 000 euros, l'enchère est au restaurant à 15 000, mettez-vous en chair à 15 000, à 15 000 euros, à 15 000 euros, qui prend le relais, qui est en chair de 15 000, à 15 000 euros, à 15 000 euros, ici encore à 15 000, à 15 000 euros, nous sommes seulement 20 000, à 20 000 euros, maintenant l'enchère est là, à 20 000 euros, bien sûr, il faut le Kodiak à 20 000, à 20 000 euros, à 25 000, 25 000, à 25 000 euros, l'enchère à droite à 25 000, à 25 000, 30 000, à 30 000, à 30 000 euros, l'enchère à 30 000, à 30 000 euros, à 30 000 euros, à 30 000 euros, l'enchère est là-bas à 30 000, à 30 000 euros, Dominique, c'est contre vous et par restaurant à 30 000, 35 000, à 35 000 euros maintenant. Nous sommes à 35 000 euros à droite l'enchère. À 35 000 euros, c'est Denis Dancer, c'est Pivotal, 40 000. À 40 000 euros. À 40 000 euros l'enchère. À 40 000. Puis de Sky Mesa désormais, qui n'a pas couru. Dominique, c'est contre vous à 40 000. À 40 000. Elle a 2 ans. À 40 000. À 40 000 euros contre vous, Ludovic, à 40 000. Non, c'est bien, le 121 s'est vendu 14 000 euros. Il s'est vendu tellement vite. Infall Kodiak, qui réussit très bien avec ses 2 ans. En voyant le physique de cette pouliche, ça ne peut pas être une 2 ans. Elle est épaisse, celle-ci. C'est le 122. C'est la mère de Sushi Tuna qui s'est vendue tout à l'heure, le numéro 63. On va regarder ce que ça a donné. Elle s'est vendue 48 000 euros, Sushi Tuna, le rat de l'Istad. Et il est plein de Kodiak, dont le dernier service est du 29 mai. 40 000, Aurélie. Le numéro 123 appartient à Vertemer et Frères. Charming Touch, une femelle bête de 3 ans née aux USA, par Elusive Quality et Charm Goer. Elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Et notez que depuis la parution, en 2 sorties, elle s'est placée une fois. Ici. Elle est prise en valeur 39, rating 86. Elusive Quality. Elusive Quality, la demi-sœur de Beringer. Et donc... la famille de Halleuil, Halleuil qui est valeur handicap 39, qui est gagnant depuis l'apparition du catalogue. Again, Halleuil, another win for Halleuil.
à l'œil. Française de Quiet Royal de Sandwalky. Et c'est une fille de Elusive Quality. Ça, c'est une origine. La mère par Noriel. Avec à l'œil, entre autres. Ici, et toute l'origine que vient de citer Pyrrhic, c'est une origine vertémère, bien sûr. 10 000 euros. À 10 000 euros, il faut démarrer à 10 000. À 10 000 euros, 5 000. Alors, votre grand nom de l'élevage français. Oui, propriétaire français. 5 000 euros, monsieur, 7 000. Un autre grand nom en obstacle. À 7 000 euros, c'est Julien Anchier. Poel, et notamment Richard Poel. Tu auras du lieu des champs qui a présenté tout à l'heure sa première pouliche. C'était plutôt une poulinière. Elle était pleine de Nathaniel. La mère de Crius. Elle est partie pour 75 000 euros tout à l'heure. À 12 000, à 12 000 euros, à 12 000 euros. Dominique, vous n'arrêtez pas en si bon chemin. 12 000 euros, l'enchère est à gauche à 12 000 euros par Julie, à 12 000 euros, à 12 000 euros pour la fille de Hello's Eve Quality à 12 000. Charming Touch, le 123. C'est une pouliche âgée de 3 ans, sortant de l'entraînement de chez Frilied. À 15 000 euros, l'enchère Hello's Eve Quality. Elle est gagnante à Deauville. Bien sûr, à 15 000. Elle est gagnante. Gagnée le prix de Cerisy. Hello's Eve Quality. La mère est également gagnante. À 15 000 euros, la demi-sœur d'une Black Tie. À 15 000 euros. Et c'est une sœur de Beringauer, cette pouliche actuellement présentée sur le ring. Beringauer avait gagné le grand critérium de Bordeaux, une listed. Il avait gagné le Diato, mais également 17 une bonne course 17 à condition. Vous êtes deux maintenant, Nicolas. Ce B. At 17, 17, 17, 17, 17. À Maison Lafitte. You have to try 18, sir. Would you like to try 18? 17,000, it's against you. For 1,000, you loser. Sorry, sir. À 17 000 euros l'enchère. À 17 000 euros. Un beau bonnet ici, plutôt un chapeau. À 17 000 euros. She has a strong pedigree, you know. À 17 000 euros, bien sûr. À 17 000 euros. Il fait assez froid ici sur la côte normande. 17 000 euros. Il se couvre, évidemment. À 18 000 euros. À 18 000 euros. Notamment le soir pour aller chez Hervé. À 20 000 euros, et oui, monsieur. Chez Hervé, votre partenaire santé. À 20 000 euros l'enchère est là. 20, 22. Ah, on s'en lasse pas. 21 for you. Alors c'est la famille de, enfin plutôt c'est une nièce 21 for the last. De, des canons de groupe 1 d'Arengo, Eco Deputy également, c'est cousine de Quiet Royal, l'excellente Quiet Royal qui avait gagné il y a deux ans le Miesc. C'est placé dans le Marcel Boussac à la deuxième place. Et une autre cousine de Sandwaki également. Nicolas, merci, votre enchère à 20 000 euros. Le numéro 124 est présenté par Shadwell France SNC. À Calil, une femelle Alzane de 3 ans née en Irlande, par Teofilo et Chatifa. Elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Et notez que cette pouliche est gagnante du prix de Malpère à Durtal pour sa cinquième sortie. Oui, gagnante, exactement. Elle est gagnante, cette pouliche Alzane, là, cette, qu'on voit actuellement. Entrée sur le ring, présentée par Shadwell, comme l'indique sa couverture. Théophilo, la mère et sœur de Dylan Thomas, de Queens. Elle est gagnante à Durtal le 3 novembre, c'était le 3 novembre dernier. Que des gagnants de groupe 1 ici, dont une fille Théophilo. Elle est entraînement chez John Hammond. She's a winner. She won a race. Sa mère Chatifa a été achetée par Shadwell justement. 380 000 guinées en octobre 2001. 10 000 euros l'enchère est à gauche à 10 000. À 10 000 euros l'enchère est là à 10 000. À 10 000 euros. La fille de Titus Livius, cette Chatifa. Et c'est surtout la sœur de Dylan Thomas, de Queen's Logic et de Homecoming Queen. Tous trois gagnants de groupe 1. Et Dylan Thomas, on ne présente plus, c'est un fils de Daniel. Il avait gagné l'Arc de Triomphe, c'était en 2007, où Yumzem était deuxième. C'est la première deuxième place de Yumzem dans l'Arc. Il était deuxième ensuite de Zarkava en 2008 et deuxième de Season Stars en 2009. Queen's Logic. Alors elle, c'était, elle était beaucoup plus précoce que Dylan Thomas. À 40 000 euros toujours là, à 40 000, à 40 000. Parce qu'elle avait gagné les Chivley Park, un groupe 1 à 2 ans. Et une des préparateurs au Chivley Park, les Love Stakes, un groupe 2 et également un groupe 3, les Fred Darling Stakes. À 45 000 euros, 50 000. Précoce, je vous le disais, puisqu'elle avait gagné également les Queen Mary, qui se disputent sur l'hippodrome d'Ascot pendant le meeting royal de l'Ascot. À 60 000 euros à gauche l'enchère. À 60 000 euros. Et une autre de ses sœurs, à cette Chatifa, c'est Homecoming Queen. Homecoming Queen, elle avait gagné les 1000 guinées l'an dernier. À 60 000 euros, je vais la juger à 60 000 euros seulement. Nous sommes à 60 000 euros, vous avez vu. L'enchère est à gauche par Estelle. À 60 000 euros, vous la perdez. À 60 000 euros, last time. Elle avait également gagné la préparatoire sur l'hippodrome de l'Ascot. Non, à 60 000 euros l'enchère est là. La chance de l'avoir, cet Homecoming Queen. À 60 000 euros, je vais gagner cette préparatoire, c'est un groupe 3. À 60 000 euros,
Bien vu, fini. On est juge. Monsieur Pritchard Gordon, 5 sœurs, 60 000 euros. Votre enchère, Estelle. Le numéro 125 Pritchard est présenté Gordon. Par Aga Khan Studs. Cherry Xma, jument grise par Linamix et Cherry entendu. Moon. Cette jument est pleine de Rock of Gibraltar. Une fille de Linamix ici. Ah, une fille de Linamix, très bon père de père de mère aussi. Mère, toujours dans les trois meilleurs pères de mère en France ici. Donc, c'est la propre sœur de Cherry Mix et Cherry Link. Cherry Mix gagnant 3 groupes 1 et deuxième de l'arc. C'était à l'époque de Bago. Et on débute à combien ici donc pour cette jument pleine de champs. Les Aga Khan Studs. Oh, grise. Ah, ben, on aurait pu mettre ma main à couper. Grise comme son père, Linamix. Pour cette Cherry Xma née en 2004, une propre sœur de Cherry Mix, gagnante de groupe 1 en Italie, gagnante de groupe 1 en Allemagne également, gagnante de groupe 2 ici même à Deauville, dans le Grand Prix de Deauville. C'était à l'âge de 3 ans, Cherry Mix gagnait le Grand Prix de Deauville, puis dans la foulée s'était placé en 2004, deuxième de Bago dans l'Arc de Triomphe. Bago dont le frère Maxios sera étalon l'an prochain à Gestud Farof. Et elle est pleine de Rock of Gibraltar, sachez-le. Dernier service du 10 juin, oui, c'est un peu tard. Cette année, elle a eu un mal d'Azamo. Et le yearling, un pack cowboy, il n'est pas encore nommé, mais déjà en entraînement chez Jean-Claude Rouget. Il a porté la casaque à Gacan. À 25 000 euros pour avoir 25 000 euros, à 25 000 euros si vous voulez, monsieur. Elle est gagnante, cette chère X-Ma. Elle était entraînée par André Fabre. À 25 000 euros qui prend le relais. À 25 000 euros qui couvre l'enchère de 25 000. À 25 000 euros. À 25 000 euros ici encore. 25, oui, 30 000. 30 000 euros maintenant, Guillaume. À 27 000 euros, on est loin avec Guillaume. 27 000. À 27 000 euros ici encore. À 27 000. À 27 000. Essayez encore, Guillaume. À 27 000 euros. Oui, 30 000. À 30 000 euros. À 30 000 euros. 32 ? Dites 32. À 30 000 euros, l'enchère est là-bas. Surveillez, Guillaume. À 30 000 euros, c'est contre vous. À 30 000 euros. À 30 000 euros, l'enchère est à Julie. Dites 33. 33 000. 33 000. 33 000 euros, dites 33. Rock of Gibraltar, c'est le père de Mandelson, entre autres. À 33 000 euros, c'est encore à 33 000 euros. Julie, on en parlait tout à l'heure. À 33 000 euros, je ne vous entends plus. À 33 000 euros, mettez 35, voulez-vous 35. À 33 000 euros. À 33 000 euros. 35. À 35 000 euros, maintenant, nouvelle enchérie sur à droite. À 35 000 euros. Il y a distribution de bonbons, là, autour de moi, franchement. À 35 000 euros. À 35 000 euros, mettez vos enchères, elle est pleine de rock. Bah oui, c'est la Saint-Nicolas aujourd'hui. C'était hier. La Saint-Nicolas. 36 000 euros, l'enchère est là, à 36 000. Aurélie, surveillez bien. À 36 000 euros. À 36 000 euros, demandez-lui à 36 000. À 36 000 euros, ici, 38. 38 ? À 36 000 euros. Aurélie, c'est contre vous. À 36 000 euros, 36, I don't know. À 36, I don't know. Oui ou non ? 37. 37 000. À 37 000 euros, allons-y, Guillaume, par 1000 pour vous. À 37 000 euros. 38 ? Oui, à 38 000. À 38 000 euros, arrondissez maintenant, Aurélie, voulez-vous 40. À 38 000 euros, arrondissez à 40 000, voulez-vous 40 000. À 38 000 euros, Aurélie, je ne vous entends plus. 38 000 euros, l'enchère est à gauche à Guillaume. À 38 000 euros, on va la juger. À 38 000 euros, pas de regret, Aurélie. On ne va pas faire coucou trop fort parce que sinon on va enchérir et avoir la jument à 40 000 euros. Donc, on était en train de parler là tranquillement. Mais... Guillaume, 38 000, votre enchère, merci. Le numéro 126 est présenté par l'entraînement Stéphane Vatel. Shilda, une femelle grise de 3 ans, née en Irlande, assimilée ou élevée en France. Elle est par Duke of Marmalade et Chill. A noter que Shilda compte une sortie supplémentaire et qu'elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. C'est la petite fille de Dan Hill ici. Jument Black Type, très bonne jument de course, régulière, précoce donc. Gagnante du prix Rose de mai. Lister Ray, second du Joubert. 38 000 euros du coup. De Paris, un groupe 2, s'il vous plaît. Donc, jument, Black Tap, grande souche ici, de Verga. Ah, on a la très bonne Shilda sur le ring. Puis sortant d'entraînement de chez Stéphane Vatel, qui appartient à l'écurie de la Vallée Martini, Hervé Morin. 20 000 euros. Ah, il est caché. Oui. Il est caché dans le couloir, Hervé Morin. À 25 000 euros, l'enchère est là maintenant. Il avait acheté 25 000 euros yearling par Océanique Poussoc. Michel Zerolo. Donc c'est une fille de Duke of Marmalade. C'était pas la première. À 60 000 euros, Guillaume. Il me semble que c'était soit la première, soit la deuxième Black Type de son père, Duke of Marmalade, puisque une autre
fille de Duke of Marmalade avait gagné également le c'était Morning Frost, avait également gagné l'Istad en début d'année 2013. D'ailleurs, les premiers produits de Duke sont âgés de 2-3 ans. À 80 000 euros, Guillaume Blanchère. À 80 000 euros. À 80 000 euros, 90 000. 85, 85. À 85,000 now. À 90 000. À 90 000. Donc, Shilda est une fille de Duke of Marmalade. Et sa mère, Child, fut très bonne également. Elle est entraînée par Jean-Claude Rouget. 100 000. Elle avait gagné le prix Finlande, elle s'était passée deuxième 95, du prix Cléopâtre. À 95 000 euros, l'enchère est à droite. À 95 000 euros, c'est votre enchère. À 95 000 euros et pas la Bernard. Chill, elle avait coûté 25 000 euros, comme sa fille Tilda, Yearling. Elle avait été rachetée 180 000 en vente de l'arc 2007. 100. 100. 100,000 now. À 100 000. Thank you, sir, for your help. Five? No. Yes, two, thank you, sir. À 102 000, à 102 000 euros. 102 000 euros. Qui a mis 102 000 euros? C'est Anthony Stroude. À 102 000. À 102 000 euros, c'est fini, Guillaume. À 102 000 euros, je vais l'adjuger. 105. Hey, 105. 105 now. Et c'est Hervé Morin qui a mis l'enchère à 107. À 107 000. À 107 000 euros. Guillaume, à 107 000 euros, vous êtes battu. Guillaume, mettez 110 000. À 107 000 euros, essayez, commande, one more, Guillaume, 110 000. Yes, no. À 107 000 euros, Shilda, Black Type Philly. Here we go. 110 000 euros. À 110 000. À 110 000 euros. À 110 000 euros. Ici encore à 110 000. À 110 000 euros. Mettez dans le chien à 110 000. À 110 000 euros. Thank you, sir. À 110,000 now. Your liver. 115. 115,000 now. À 115 000. À 115 000 euros, l'enchère est là à droite. À 115 000. À 115 000 euros, come on, Guillaume. À 115 000 euros. À 115 000 euros. Yes or no, sir. À 115 000 euros, your liver. À 115 000 euros, bien vu. Hold on. 115 000 euros, c'est sûr, pour Shilda ici. Bien vu. Fini, monsieur. Black Type fini. 115 000 euros, je vais devoir la juger, Guillaume. Thank you for your help. À 115 000 euros. 100. Guillaume, c'est fini, oui, non? 120 000. 120 000 euros. 120 000 euros. Elle s'est revenue à 120 000, finalement. 120. 120, such a strong market. 120. Thank you, sir. À 120 now. À 120,000, c'est Guillaume. C'est votre enchère. À 120 000 euros, c'est sûr. 122. 122 000 euros, Guillaume, à 122 000 euros. À 122 000 euros, bien vu l'enchère. À 122 000 euros, Guillaume, dites-moi oui, dites-moi non. Demandez-lui précisément. Je vais la juger. Last time, à 122 000 euros. On la juge. Anthony Stroude, 5 000 euros. Anthony Stroude qui a finalement remporté l'enchère, la bataille des enchères. Alors ça, c'était une vraie bataille. Est présenté par à 122 000 euros pour Childa. Le 23 février par Scat Daddy et Clown. Tout bon fall ici. Tout bon fall, le seul Skate Daddy, the only one on the sales in Europe, donc le seul Skate Daddy disponible sur le marché, et c'est ici à Arcana, donc Skate Daddy, nous vendons the only fall on the market, issu d'une mère gagnante à 2-3 ans, gagnante de l'Easter. Such a lovely, lovely fall. La famille de Ayapal, Ayapal placée encore depuis l'apparition du catalogue. Et on débute à combien ici? 20 000? 20 000 euros, il y a été preneur à 20 000. 20 000 euros, il faut démarrer à 20 000. 20 000. 20 000 euros. 20 000 euros, j'ai preneur à 20 000. Allons-y, 20 000. 20 000 euros. 20 000 euros, skate delivery, 20 000. 20 000 euros, 20,000 now. À 20 000 euros, j'ai preneur à 20 000. 22 000. 25 000, si vous voulez, à 25 000. À droite, l'enchère à 30 000. À 30 000 euros, maintenant, l'enchère à 30 000. À 30 000 euros, l'enchère. À 30 000 euros, l'enchère à 35 000. 35 000 euros, l'enchère. À 35 000 euros, mettez 40. À 35 000. À 35 000, 40 000. À 40 000 euros, l'enchère. À 40 000 euros. À 40 000 euros, skate delivery, à 40 000. À 40 000 euros, 45 000. 45 000 euros, l'enchère. À 45 000. 45 000 euros, l'enchère à 45 000. À 45 000 euros. À 45 000 euros, mettez l'enchère à 45 000. À 45 000 euros. 45 000 euros, l'enchère est à droite à 50 000. À 50 000 euros maintenant. À 50 000 euros, c'est Bernard. À 50 000 euros, Bernard, votre enchère. À 50 000 euros. À 50 000 euros, Bernard, l'enchère. À 50 000 euros, mettez. Le Radomel, Hubert Honoré. Je présente ce fils de Skate Daddy. À 55 000 euros, fils de Johannesburg qui a gagné Groupin le Florida Derby. 57. Entre autres. 60.
Non, monsieur, c'était 57 là. 60, monsieur. 60, merci. 60 000 euros pour Robert Nataf. À 60 000 euros. À 60 000 euros, téléphone. À 60 000 euros. À 60 000 euros, Bernard, c'est contre vous. À 60 000 euros, essayez encore. À 60 000 euros, mettez vos enchères. À 60 000 euros, l'enchère est au téléphone. À 60 000 euros, c'est sûr, il n'y a pas de regret pour le fils de Scott Daddy. À 60 000 euros, such a nice fall. À 60 000 euros, bien vu, l'enchère est là à droite. À 60 000 euros, téléphone. À 60 000 euros, c'est sûr, Bernard. À 60 000 euros, mettez vos enchères, pas de regret, pas d'erreur. À 60 000 euros, dernier tour d'horizon. À 60 000 euros, plus rien dans la salle. La mère était déjà toute bonne, hein. Elle avait gagné, le stade pour Nico Clément. À 60 000 euros, on a le juge. Orse France, merci monsieur Nicolas. Eh ben, c'est bien Orse France pour 60 000 euros. Le numéro 128 est absent. Nous passons au numéro 129. C'était co-élevé par Robert Honoré. Le Bridge Concept Moulin Limited. À 50% et les autres 50% sont détenus par Grande-Bretagne par Duke of Marmalade et Come Rain Come Shine. Cette pouliche est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Elle est gagnante, cette pouliche gagnante. Feed the Duke of Marmalade. Une nouvelle fille de The Duke of Marmalade. Dan Hill Destiny, la 3 quarts sœurs. Contre deux victoires chez John Gosden. Momolato, donc bonne souche maternelle. Ici, on débute à combien ? Une à Wolverhampton et l'autre à. Winner, voulez-vous 10 000 euros. Et l'autre. 10 000 euros. À Linkfield. Et une sœur de Daniel Destiny, une fille de Daniel Dancer, comme son nom l'indique, qui est gagnante de l'Easted. Et troisième des Fred Darling. Sex, un groupe 3. Les poulinières, désormais, Daniel Destiny. C'est la famille également, c'est une, plutôt une nièce de Where or When, qui est étalon maintenant. Et de Dancing in the Rain. Sud-africain. C'est contre vous, Aurélie, à 30 000. À 30 000 euros, mettez vos enchères à 30 000. À 30 000 euros. À 30 000 euros, commande, mettez vos enchères à Duke of Marmalade, voulez-vous 30 000. À 30 000 euros. À 30 000 euros, mettez vos enchères à 30 000. À 30 000. C'est pas la joie pour l'instant en Afrique du Sud. À 30 000 euros. À 30 000 euros, Aurélie, je vous laisse faire à 30 000 euros, l'enchère est là. De l'ancien président Nelson Mandela. Pas la joie. Quand j'ai vu les images de célébration où les gens dansaient dans la rue, je vais se poser les questions. C'est fini. À 30 000 euros, je vais la juger. Il est parti, paix à son âme. Fini, l'enchère est par vous, ici, à 30 000 euros. On a du. Ah, 30 000 seulement. 30 000 euros, Nicolas, vu, ici. La wildcard numéro 130 est présentée par le Haras d'Ombreville, agent pour Gestut Wittekinshoff. Il s'agit de Sword Heart. C'est la deuxième black type, désormais. De 3 ans, né en Grande-Bretagne par Afford et Sword Roche. Et comme je disais tout à l'heure, encore une origine. Reproduction. Encore une origine allemande. Donc, 3 ans ici, seconde de listed et gagnante à 2 ans, qui plus est d'un groupe 3, chez The Black Tie Philly. Group 3 winners, lovely Philly, petite fille de Haft. Une fille de Haft. La souche de Schwarzlova. Donc, gagnante de groupe 3, c'était l'an dernier, le prize d'Erwin Terkenigin. Gagnant de groupe 3 à 2 ans, placé de listed cette année. C'était un mélange et on débute à combien ici pour cette pouliche très bien née et très bonne jument de course ici. Voulez-vous de précocité 50 000 euros, 30 000, 20 000, 20 000, 20 000 euros. 20 000 euros, mettez-nous en chair à 20 000. Allons-y, come on. C'est une pouliche pas très très grande et puis. À 20 000 euros. C'est un tout petit. À 20 000 euros. À 20 000 euros. À 20 000 euros, alors 10 000, voulez-vous 10 000. 10 000 euros. 10 000 euros. 10 000 euros pour démarrer 10 000. Bernard, merci, c'est votre enchère à 10 000. À 10 000 euros. À 10 000 euros, Bernard, j'ai votre enchère à 10 000. À 10 000 euros. À 10 000 euros, j'ai une enchère à 10 000. Je suis bien étonné qu'elle fasse très cher cette pouliche. J'espère me tromper, évidemment. À 15 000 euros l'enchère. À 15 000 euros maintenant, Bernard, c'est contre vous à 15 000. À 15 000. À 20 000 euros, Bernard. À 20 000 euros l'enchère à ta droite à Bernard. À 20 000. À 20 000 euros. Il y a toujours assez de monde, finalement, autour de ce ring. Cette première journée de vente d'élevage. À 25 000 euros, Bernard, 30 000. À 30 000 euros, Bernard, l'enchère à 30 000. À 30 000 euros, à 35 000. À 35 000 euros, Ludovic l'enchère à 35 000. 40 000, Bernard, à 40 000. À 40 000 euros, c'est Bernard qui tient l'enchère à 40 000. À 45 000, Ludovic l'enchère à 45 000. À 45 000. À 45 000 euros, contre Bernard à 45 000. À 45 000. À 45 000 euros, Bernard, je ne vous entends plus à 50 000. À 50 000 euros. À 50 000 euros, Bernard, Yobé à 50 000. À 50 000 euros, 60.
55. 55 000 euros Ludo. À 55 000 euros Ludovic l'enchère. À 55 000 euros. À 55 000 euros 60 000. À 60 000 euros Bernard, c'est votre enchère. À 60 000 euros. À 60 000 euros. À 60 000 euros. Alors la mère était placée du Duchess Saint-Léger. Un groupe 2. Et c'est également placé deux fois deuxième de Listed. Et troisième chez nous ici en France à Chantilly du prix de la Moscova. C'est son meilleur produit actuellement. 75 000 euros Bernard, vous êtes battu. Elle est la mère de Seafall, 4 ans l'âge de courir. À 80 000 euros ici encore Ludovic Seco. Le meilleur produit, c'est bien un mec que vous avez sous vos yeux. C'est Sword Alf. À 80 000 euros à droite. Le 2 ans, c'est un mâle de Scirocco qui est à l'entraînement en Allemagne. Vous la laissez partir. Ludo, fini. C'est une nièce de. À 80 000 euros. De Sword Loval. 80 000 euros. Et si l'enchère, il n'y a pas de regret. Un gagnant de groupe 3 en Allemagne. À 80 000 euros. Et il a gagné également les. Une course que j'aimerais bien gagner, les mouettes, le mouette et Chandon Cup. À votre avis, si vous avez des. 100, nous passons au numéro 132. Des infos concernant ce mouette et Chandon Cup, n'hésitez pas à m'en faire part. Et surtout les informations concernant les prix remis aux vainqueurs du mouette et Chandon Cup. J'imagine ça doit être pas mal de bouteilles de champagne. 80 000. Gagnante du Critérium, c'est racheté. C'est seconde du prix du bois. Bonne course de 2 ans, donc Johannesburg. Très bonne jument à 2 ans. Black type à 2 ans. Précocité. Here we go. Via Milano, via Medici. On débute à 30 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000 euros, 20 000, 20 000 euros. 20 000 euros pleine de My Boy Charlie, voulez-vous 20 000? 20 000 euros, on y reviendra à 20 000. À 20 000 euros, allons-y, mettez-en cher à 20 000. À 20 000 euros? À 20 000 euros, mettez-en cher à 10 000. Alors 10 000 euros, il y a des preneurs à 10 000. Voulez-vous 10 000? Mettez 10 000. Oui! 10 000 euros au fond du passage par vous, Julie. À 10 000 euros, l'enchère 15 000. 15 000 euros maintenant, Guillaume, à 15 000. Allez, on revient à une poulinière désormais. 15 000 euros, merci de votre aide, Julie. C'est Chantilly Crème, l'excellente Chantilly Crème, une fille de Johannesburg. À 20 000 euros maintenant, 20 000. Qui avait gagné l'Istud à 2 ans, le critérium du béquet. C'est Estelle Lanchère à 20 000, à 20 000 euros. À 20 000 elle est en 2007, hein, cette Chantilly Crème. Le meilleur produit de sa mère pour l'instant. À 20 000 euros qui prend le relais, qui court en chaîne de 20 000. À 20 000 euros, une sœur de deux vainqueurs. À 25 000 euros, Guillaume, à 25 000. À 25 000 euros, Guillaume, c'est votre enchère à 25 000. À 25 000. À 25 000 euros, 30 000. À 30 000 euros, l'enchère à 30 000. À 30 000 euros, bien sûr. À 30 000 euros. À 30 000 euros, une très bonne jument de course ici à 30 000 euros. Et pleine. À 30 000 euros d'un bon service de My Boy Charlie. À 30 000 euros. À 30 000 euros seulement, nous sommes. À 30 000 euros, c'est Estelle qui tient l'enchère. À 30 000 euros, vous êtes battu, Guillaume. À 30 000 euros, essayez encore, pleine de My Boy Charlie. À 30 000 euros, une souche précoce, du 2 ans, du vainqueur, du Black Type. À 30 000 euros, c'est Estelle qui tient l'enchère. À 30 000 euros, merci Guillaume. À 30 000 euros, là l'enchère. Bien vu, fini. 35, nouvelle enchérisseur à 35 000. 32, 32 000 euros. À 32 000 euros, Fresh Bidder. À 32 000 euros, bien vu. À 32 000 euros, nouvelle enchérisseur. Tout est à refaire, monsieur à gauche. À 32 000 euros, à 32 000 euros, nous la 35, 35 000, 35 000 euros. Monsieur, une seule enchère. Essayez 37, monsieur. Essayez, vous allez voir. À 35 000 euros, à 35 000 euros, vous l'aviez presque. Regardez le pédigré, monsieur. My Boy Charlie, elle est pleine, elle est gagnante de. À 35 000 euros, elle est Black Type, cette jument. À 35 000 euros, vous la perdez. À 37 000, Guillaume, à 37 000, à 37 000 euros. À 37 000 euros, essayez encore. À 37 000 euros, allons-y, Estelle. À 37 000 euros, mettez 40. À 37 000, à 37 000 euros, mettez 40, Estelle. Oui ou non? À 37 000 euros, c'est Guillaume qui l'emporte. À 37 000 euros, c'est Guillaume qui tient l'enchère. À 37 000 euros, il n'y a pas de regret. À 37 000 euros. Bien vu, fini. À Guillaume l'enchère, Estelle, c'est sûr. Vous la perdez. À 37 000 euros. Voilà, juge. Guillaume, merci, votre enchère, 37 000. Le numéro 133 est présenté par le. Alors, 37 000 euros pour une jeune poulinière, oui, parce que son premier produit a été acheté cette année. Yearling, 45 000 euros par Méridian International. C'était un fils de Naïef. Plein de rats de sa main. Voulez-vous 20 000, 20 000, qui a 20 000, 20 000, qui a 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 10 000, qui a 10 000, 10 000, qui a 10 000, 20 000, 10 000, 5, 5 000, 5 000, 5 000. Mais quelle est cette musique? C'est la piste aux étoiles, ça. La piste aux étoiles, la piste aux étoiles pour accueillir les stars ici sur le ring d'Arcana.
Bon, pour tout vous dire, j'ai pas fait exprès du tout pour appuyer sur cette touche. Mais bon, je trouve toujours un lien, voilà. Donc, pour accueillir les stars, comme je vous le disais, parce que Kent ou Capri peut être considéré comme une star puisque c'est une fille de Galiléo. Ah, c'est le restaurant qu'ils activent de nouveau. Pour l'instant, on n'a pas eu de... On n'a pas encore eu d'enchères qui ont été adjugées au restaurant. Le numéro 134 est présenté par Aga Khan Studs, d'Aldena, une femelle baie de 3 ans, née en Irlande, par Annaba et Daltama. Cette femelle est gagnante du prix des buts à Chantilly pour sa... Of war, clears war on the opposition and swoops through to win. Declaration of war wins the Queen Anne. Declaration of war wins the Battle of the Naismar in the Judmont International. Mujama to man declaration of war will take charge of final man. Beautiful family, même croisement que Dalga. 200, 100,000, get 100,000, 100,000, 100,000, give me weight, 100,000, 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 105,000, 105,000, les Rockefellers. 105,000, 105,000, 105,000, 105,000, 105,000, 105,000, 110,000, 110,000, Julie, 110,000, 110,000, what about you in France? 110,000, 110,000, Julie. Declaration of war. C'est ce qu'aurait pu dire, Anthony Stroud tout à l'heure quand il a acheté Childa. A declaration of war de Warfront qui sera étalon dès l'an prochain, donc comme vous l'avez compris, à Coolmaster d'Irlande. On parle la langue Agacan désormais. Pourquoi la langue Agacan? Puisque Daldena est issue de Daltama, elle-même une fille de Daltawa. Et donc la mère de ce... On va faire ça plus court, c'est une dièse tout simplement de Dalakani, Dailami, Dalgar. Et une cousine de Dalkala, gagnante de groupe 1 cette année dans le prix de l'opéra. On est à 240 000 là. Pour une fille d'Annaba, un très bon père de mère également, Annaba. Elle est gagnante, hein, cette pouliche, depuis l'apparition du catalogue. Elle a gagné le 8 novembre dernier. C'était à Chantilly, comme l'a dit Nick Nugent. Julie, en face, à 240 000 contre Estelle. I'm going to sell this time and done. À 240 000 euros, fini, pas de regret. À 240 000 euros, on a juge. Julie, merci.
Le numéro 135 est absent. Nous passons au numéro 136, présenté par Aga Khan Studs, Darsha, jument bay par Saki et Dara Chandet, pleine de My Boy Charlie. Oui, un jeune jument, la famille de Dargina et son frère a gagné le Jockey Club, la demi-sœur de Darcy, yes, half-sister de Darcy, and Dabada, Dabada, sold to race in Australia. Yes. 100,000, give me 100,000, 100,000, Sangon, Sangon, give me 50,000, Sangon, 1,000, Sangon, 1,000, sister of the Derby, winner, Sangon. L'excellente Darsha, désormais, qui passe en vente. Une sœur de Darcy. Une sœur de Darcy, et oui, gagnant du prix du Jockey Club. Il était talent désormais en Irlande. Darsha s'était placé deuxième du prix Minerve. Troisième du prix de Royal Lieu. Elle est pleine de My Boy Charlie. C'est une jeune poulinière. Encore un Darsha. Elle est en 2004. Son père Saki est un fils de Barry. C'est le père de Tinors également, Saki. Jeune poulinière, comme je le disais. Puisque son premier produit est en 2009, bon, il n'a pas couru. Mais son deuxième produit, un fils de Daniel Dancer, est gagnant. C'était un chantilly. Il était quatrième également l'autre jour du prix Chaudenay. Ah bon, oui, l'autre jour. C'était début octobre quand même. Il était entraîné par Miguel Desangles. Alors en 2011, enfin en 2010 plutôt, elle n'a pas été saillie d'Archa. Tout simplement pour la simple et bonne raison que son poulain né en 2010, Darbada, est né le 15 mai. Bon, c'est pour ça, c'était trop tard. Ensuite, elle a eu un VCB Spirit en 2012. Et cette année, un fils de Zamindar. Vraiment de plus en plus de monde ici. Assez impressionnant le nombre de personnes. Beaucoup d'acheteurs étrangers. Hein. Tout à l'heure, on a dit bonjour à nos amis japonais qui ont déjà acheté. On en voit pas mal autour du ring. Beaucoup d'Américains aussi, des Anglais, des Irlandais. 160 000. Bon, c'est plutôt la présente d'Américain qui est beaucoup plus récent. L'an dernier, ils avaient acheté le top race d'ailleurs de ces ventes-ci, les Américains. 170 000, yes sir, 170 000, a beautiful mare, quality mare, la famille de Dargina, 170 000. Alors 170 000, ce sera non pour Alban de Mieul. Merci. Ce sera non pour Alban de Mieul, puisqu'il était l'underbidder de cette Darsha. Darizina, une femelle bête de 3 ans, née aux USA, par Smart Strike. Du coup, l'enchère est partie en face de lui. A noter que cette pouliche est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Yes, beautiful mare. You feed a Smart Strike, half sister to a Group 1 winner, half sister to a Group 2 winner. And le 2 ans, Darry B, chez Royer Dupré. Winner est placé de Group. Lovely animal, venez-vous, 300 000. C'est Patrick Barbe qui signe pour la famille Yoshida.
Là, Fabio Yoshida vient d'acheter Darsha. 220 000, direct à moi. À 220 000, c'est le tout en haut, Nicolas. À 220 000, 220 000, 220 000, 240, 240, Estelle. À 240 000, maintenant à 240 000. À 240 000, maintenant à Estelle. À 240, 240, à 240, 260. Alors, encore une push présentée par la Gaga Constance, formidablement bien née. C'est un pléonasme de lire ça. Darisina compte deux places à 3 ans en 5 sorties, dont deuxième du prix producteur à Saint-Cloud, une bonne sa condition. Phil Smart Strike donc, et la mère d'Ariaba. D'Ariaba. On ne la présente plus, d'Ariaba. Elle a gagné le prix de Diane, le prix Vermeil. Exceptionnelle poulinière, mère de la gagnante de groupe 1, Daria Kana et Fitzel Kirk, qui est Aizen d'ailleurs, comme son père. 300 000 euros déjà. La mère de Daramsar aussi. De Daraibi. Fils de Street Cry. 350 000. Qui est né le, d'ailleurs Daraibi. Qui est né. Alors on va atteindre le top price pour l'instant. On l'a atteint. Alors 400 000. Pour l'instant, c'est le top price. Top price est atteint. 450 000. Comme je vous disais, Daraibi est né le 16 mai en 2011. Du coup, elle n'a pas été saillie du coup cette année-ci. Et cette année, Daraibi a eu appuyé d'une semelle par Monson. Alors, je vous épargne tous les noms évidemment de la famille. Tous les de la famille des dés à Gacan, évidemment. Il y a énormément de champions. 600 000. Alors, c'est un monsieur qui est tout en haut, un très très grand. Même moi, je suis plus petit que lui. Sous une casquette et avec un Bluetooth, on a l'impression que c'est un videur. 700 000, 50 if you like, sir. At 750, yes, sir. At 700, another 50, yes, sir. At 700, another 50. At 700,000, we're now at 700. Beautiful man, yeah. Look at the pedigree. At 700,000, we're now at 700, yes, sir. 750 000. On répond finalement, 750 000. At 800,000, we're now beginning at 800. 50 or 9? What do we do, sir? At 800,000, we're now at 800,000 now. A wee saw meal. 800,000 against you. What do I do? At 800,000 against you on top. Non, c'est pas lui pour l'instant. Oui. This time and down. Il est battu. I sell in front against you upstairs. 50? Yes or no? At 800,000, I sell then. At 800,000, we're now, what a pedigree. At 800,000, we're now, we saw all that. Alors, pour l'instant, notre ami est australien, selon Jean Birabin et Hervé Bunel, qui sont derrière moi. At 800,000, all done. Last time then. Pour l'instant, notre bodyguard est battu. Ah, il sera battu, il dit non de la tête. On a juge. Julie. Le numéro 138 est présenté par The Castle Bridge Consignment Limited. Il s'agit de Diva, une femelle bête de 3 ans, née en Allemagne par Oasis Dream et DA. Et à noter que cette pouliche est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Yeah, Diva, Fido, Oasis Dream. Voulez-vous? 10 000, Kia, 10 000, give me away, 10,000 an hour, the well-related Oasis Dream, 10 mil, give me another word, 10 mil, 5 mil, Kia, 5 mil, Oasis Dream, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, Estelle, 5 mil, 5 mil. 5 million an hour, 5 mil, 5 mil, 5 million an hour, 5 mil, I got a 5 in a bit now. 5 million an hour, 5 million an hour, 5 million an hour, 5 mil, 5 mil, 5 million an hour, 5 million an hour, 5 mil, Estelle, 5 million an hour, 5 mil, Avu, Estelle, 5 mil, 5 million an hour, 5 million an hour, 5 mil, 5 mil, 5 million an hour, 5 million an hour, 5 mil, 5 mil, 5 million an hour, 5 in a bit now. 5 million an hour, 5 mil, Finney, Paraguay, last time, 5, 7 mil, 7 mil, 7 million an hour, 7 million an hour, Oasis, 3 million an hour, 7 mil, 7 mil, wee mil, Alexander, got a wee mil, 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 a wee
a douze mil an hour, waste is streaming, a douze mil, quickly, a douze mil an hour, beat super plane, a douze mil an hour, a douze mil, a douze mil an hour, Alexandre, a douze mil, fini. 800 000 euros, c'est le nouveau top price de ces ventes. On a carrément boosté l'ancien top price qui était de 400 000 euros. On va trouver le nom de l'acheteur dans peu de temps, dans très peu de temps. Et vraisemblablement un acheteur étranger. À l'entraînement Pascal Barry, parle-moi. Félicité bien sûr par. Par mon jeu et dis-moi oui. Par Georges Rimaud, directeur des Agacan Studs en France. La reproduction. Gagnons par mon jeu, gagnons par mon jeu. Veux les veux, 20 000, qui a 20 000, 20 000, qui a 20 000, 20 000, qui a 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, qui a 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, gagnons pas mon jeu, 20 000, 20 000, 20 000, faut parler moi, 20 000, 20 000, 20 000, allons-y, 20 000, à toi, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, come on, 22, winning gold shirt, 22, Van Sack, Miller, now Van Sack, Van Sack, Van Sack, Van Sack, Miller, Van Sack, Van Sack, Miller, Alexander, Van Sack, 3 Miller, 32, Mill, Guillaume, 32, Guillaume, 33, against you here, madam, and even at 65 now. At 65, 70,000, this wasn't enough, this wasn't enough. It's a bit of 70 mil, avu Alexandre, 70 mil, 80 mil, Guillaume, 80,000 now, 80 mil, 80,000, 80,000, Alexandre, 90,000 now, 80,000, Alexandre, 80,000, 80,000, you're better on the... On répond du tac au tac, là, pour cette fille de mon jeu, ça s'appelle Parle-moi, elle est gagnante, cette femelle de 3 ans, chez Pascal Barry, elle a gagné le prix de Douve, ou le prix Douve, tout simplement, à Saint-Cloud. Quatrième du Ventoux, elle avait également tenté sa chance dans le prix Saint-Hilaire, cette pouliche-là. Plutôt son entourage également. Parle-moi une fille de dis-moi oui. Très bien. Andy, dis-moi oui. Dis-moi oui, qui était également entraîné par Pascal Barry. Song 200 mil déjà, Olivier Deloy. À 200 000 euros, l'agent de Belmont Bluestock est au téléphone. Alors attention, on pourrait monter encore plus fort que prévu. Deux cent quarante, fini, à gauche, deux cent soixante, comme je vous le disais, dis-moi oui était entraîné par Pascal Barry, pardon. Elle avait gagné en France le prix Chloé et le prix de la nonnette de groupe 3. Le prix de la nonnette d'ailleurs c'est groupe 2 maintenant. Et c'est une bonne pouliche, une bonne poulinière surtout parce qu'elle a produit, outre Parle-moi, elle a déjà produit Toi et moi, une fille de Galiléo gagnante de l'Istud. Dans le prix Joubert et également dans le prix de la pépinière à Maison Lafitte, deuxième de groupe 3, elle est poulinière désormais, cette Toi et moi. Elle est également donnée plutôt Moi non plus, deuxième des Hawks d'Italia. Et elle a également une fille qui s'appelle Armoise. Par Ronald Rauscher, agent. Il s'agit qui a été acheté 105 000 guinées en Allemagne en 2013. En 2012, pardon, en décembre 2012, par la famille Arcos. Gagnant de groupe. 50 000, gagnant de groupe, 50 000, you can see on the television, 50 000, 20 000, 20 000, 20 000, winner de groupe, come on, 20 000.
20 000, s'il vous plaît, 20 000, look at 20 000, look at 20 000, 20 000, look at 20, 20 bit down, a bit of a 20 bit now, 20 000, look at 20 000, look at 20 000, look at 20 000, group 3 winner in the ring, I sell the group 3 winner at only 20 bit now, 20 bit now, at 20, the group 3 winner makes 20,000, I sell at 20,000, but now I'm again 20 bit down, 20 000, 20 000, at 20 bit down, a bit of a 20 now, look at 20 000, look at 20 000, 20 000, look at 20 000, look at 20 000, 20 000, 20 000, look at 20 000, 20 000, come on, come on, come on, he's looking at 20 000, come on, come on, get a 20 000, 20 000, look at 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, get a 20 000, 20 000, 20 000. 20 000 euros pour l'instant en ce qui concerne cette wildcard. Le 140, c'est Lady Jasamira. Une gagnante de deux groupes 3. C'était à Hambourg le 29 juin 2012. 25 000 euros à vous, Alexandre, à 25 000 euros. On a juge. Oh. Alors, on a failli adjuger. Il était vraiment à deux doigts. Bernard a failli commettre. Irréparable, c'est-à-dire l'adjudication. Allez, on repart depuis là. Put your arms in the air, put your hands in the air. C'est l'appel des enchères de Nick Nugent. Levez vos mains, voilà comme il le dit, levez les mains. 38 000 fini Estelle, et maintenant 38 000 dernière fois, 38 000, et maintenant last time I sell, 38 000 euros. On a juge Alexandre, merci. Le numéro 141 est présenté par Aga Khan Studs, Diamond Tango, jument en baie par Akatenango et Diamond Dance. Elle est pleine de Tamayous. Et notez que son produit Dildar s'est classé 3e. Attention, la prochaine wildcard, c'est la Carolina. Ce sera le numéro 150. C'est-à-dire dans 19 lots maintenant. Gagnant de groupe 2, Diamond Tango. Diamond Tango, désormais. Présenté par les Aga Khan Studs. Pleine de Tamayous, dernier service du 13 mai. Diamond Tango était très bonne. Elle avait gagné prix Pomone. Un groupe 2 était placé dans le Allée France, dans le Corrida également, dans le Grand Prix de Lyon. Et même a donné déjà Dildar, né en 2008, ce Dildar. Et qui a été exporté, qui s'est placé de poules de produits ici en France et qui a depuis lors été exporté en Angleterre. La mère de Dercia également. Ce sera le lot 434 tout à l'heure d'ailleurs. Le 2 ans, Toumaran est un fils de Torres, il est un très bon cher André Dupré. Et Diamond Dance, elle n'est plus poulinière au sein de 70, 70, au sein de les effectifs de jeu avec Lagardère, et pour cause puisqu'il a vendu toutes ses poulinières, la plupart au Principe des Camps, mais elle n'est même plus poulinière au Saga Canston non plus. Elle a produit en 2011 une fille Théophilo qui était à l'entraînement en France chez Fred Yed et qui portera la casaque de Jaber Abdullah, et elle a comme yearling une fille d'Autorize. À 70 000 euros, fini, pas de regret. À 70, Diagan, a top 2 euro to run next year. À 70 000 euros, fini, pas de regret. À 70 000 euros. Et c'est la famille également de Diakali, le lauréat 2013 du prix Alain Dubreuil, présenté fils de Sindar, et également la famille du très bon Diamond Green. Et Dilly Dali, à noter que cette pouliche est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Ajoutons qu'elle marche dans le box occasionnellement et qu'elle tique à l'ours. This filly has been seen to box walk occasionally and weave. Well done, the buyers of the last youngest mare I've ever sold you. Okay. 40 winks. The mare in foal to exceed and excel in Australia has a yearling by elusive quality.
Give me 10, 10 mil, 5 mil, 5 mil, yes. 5 mil, now 5 mil, yes. 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 2 mil, here, 2 mil, 2 mil, s'il vous plaît, gagnez, on y va now, 2 mil, 2 mil, now, 2 mil, 2 mil, now, 2 mil, on y va, 1 mil, 2 mil, now, 2 mil, 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 2 mil,